Broken Arm, vendredi soir, 18h30. Qui est à l'appareil? Pedro Juan, ici Pedro Juan. Non, mais alors là, je ne comprends rien. De la part de qui? De la part de Pedro Juan. Vous êtes Madame Bennett, vous? Ah oui, oui, en effet, je suis Madame Bennett elle-même. Michel, pouvez-vous m'épeler votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Oui, qu'est-ce qui se passe? La porte d'entrée, c'est sûrement l'inspecteur Malcolm, fais-le entrer. Oui. Oui. Écoutez, dans ce cas, monsieur, venez dans 20 minutes. Mon mari sera ravi de vous voir. Oui, au revoir, monsieur. Michel, c'est un Espagnol, je crois. Il a connu ton père en Amérique du Sud et il s'appelait Pedro Juarez. En Amérique du Sud? Ah oui, pourtant Andrew n'y est resté qu'un an, il y a 27 ans de cela. Bah, papa va être content, tiens. Un vendredi soir par-dessus le marché. Heureusement, je lui ai rapporté quelque chose d'unique. Ah? BX-124, une drogue contre les mauvaises herbes. Oh. Tous les horticulteurs en rêvent, hein, ça fait 6 mois que papa l'attend. Oh, pardon, Timothy, non, là, je suis absolument désolé. Oh, mais pas du tout. Maman, c'est Timothy qui sonne à la porte tout à l'heure. Comment allez-vous, Madame Bennett? Oh, mais très bien, merci. Mais j'avoue que je ne sais absolument pas qui vous êtes. Timothy, Greg, votre voisin. Vous connaissez ma mère, je crois. Oh, mais oui, mais bien sûr. Michel et Greg ont acheté la maison des Normal, voilà un an. Ça, nous ne les avons pas vus autant que nous aurions dû. Mais vous, je ne vous ai jamais vu, comment se fait-il? J'étais à Oxford, et je passe la plupart de mes vacances sur le continent. Oxford, mon fils y va, en octobre. Oh, vraiment? Oui, il a gagné une bourse, c'est bien, n'est-ce pas? Écoute, maman, je t'en supplie. Tu te dis quelles sont les erreurs à éviter là-bas? Travailler, je crois. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et ben voilà qui fera plaisir à papa, tiens. Ah, c'est justement ton père que je voulais voir, mais... Évidemment, si cet autre monsieur... Ah, c'est mon mari que vous voulez voir. Prenez votre tour. Ah oui, mais c'est que je m'envole pour l'Afrique dimanche. Oh, quelle aventure! Pourquoi? Je sais pas, moi. C'est pas une aventure, ça? Pas à notre époque. Et vous resterez longtemps là-bas? 20 ans. Oh. Alors, bonne chance. Merci. Vous voulez une cigarette? Oh non, merci. Attendez, en quoi votre départ pour l'Afrique peut-il concerner mon mari? En rien, mais ah, il est bien cousin de l'éditeur Duncan Bennett. Ah oui? Ah oui, en effet, ça c'est son cousin. Eh bien voilà, j'ai écrit un livre et je me demandais si... Il pourrait vous recommander à son cousin. Exactement. Oh, mais votre livre, c'est quel genre? Un roman policier. Policier? Oh, chérie, l'inspecteur Malcolm commence à me tracasser. S'il arrive maintenant, il va tomber nez à nez avec Andrew. Elle descend dans la rue et empêche-le de monter. Mais maman, t'es sûre qu'il va venir? Tu m'as dit qu'il serait là à 6h et il est 6h10. Dis-lui de ne revenir que lundi, et surtout quand Andrew sera parti. Pas d'autres instructions? Non, il comprendra. Vous avez des ennuis? Ah, mais un peu. J'ai brûlé un feu rouge et frôlé les roues avant d'une voiture d'enfant sur un passage clouté. Non, mais personne n'a eu de mal. D'ailleurs, la mère de l'enfant a été très raisonnable. Mais voilà, le choc a réveillé le bébé qui... Il s'est mis à hurler. Et bien sûr, un agent est arrivé. Bien, ce n'est pas grave. Vous aurez une amende et c'est tout. C'est tout? Oh, alors vous ne connaissez pas mon mari? Quand il s'agira de voir sa femme traînée au tribunal pour dommage à la sécurité publique, il fermera les volets de sa maison et quittera le quartier. Voilà l'inspecteur Malcolm, c'est tout ce qui nous manquait. Enfin, comment Michel a-t-il pu le rater? Ça, je me demande pourquoi ces gens-là portent toujours un uniforme. Ça les fait remarquer. Entrez, inspecteur. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, mon fils Michel est allé à votre rencontre. Ah oui? Il a dû prendre la rue d'en bas alors que vous veniez par la rue d'en haut. Ah bah ça se peut, ça. Je vous présente monsieur Greg. Il s'envole pour l'Afrique dimanche. Oui, enchanté. Il écrit des romans policiers. Oh, très bien. Mais dites-moi, pourquoi a-t-il fallu que votre fils... Mon mari va arriver d'un instant à l'autre et il ne faut pas qu'il vous voie. Nous lui avons encore rien dit. Je comprends. Oh, Madame Bennett, je vous assure que si j'avais été là au moment de l'accident... Ça, j'apprécie beaucoup, inspecteur. Mais il faut que vous sachiez que personne n'a été blessé. La femme allait très bien, le bébé allait très bien, tout le monde allait très bien, jusqu'à ce que cet agent... Vous n'avez tout de même pas respecté le passage clouté. Ouais. Mais la femme a commencé à traverser alors que moi, j'étais déjà engagée. Madame Bennett, la priorité est ton piéton. Enfin, quelqu'un doit bien commencer. Oui. Enfin, je veux dire que quelqu'un doit bien prendre l'initiative de faire quelque chose pour que quelqu'un d'autre fasse la même chose au même moment et de ce fait, Ah oui. Vous pourriez pas répéter, là, parce que... Alors,
alors là, j'en serais bien incapable. Vous voyez bien qu'il faut s'en tenir aux faits. Et quels sont les faits? Vous avez heurté les roues avant d'une voiture d'enfant. Ah non, non, frôlé. Ah non, mon agent a été heurté dans son rapport. Mais il aura sûrement de l'avancement, celui-là. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir que vous vous présentiez au tribunal lundi matin ou alors que vous envoyez une lettre. Mais si j'écris une lettre, ce sera mis dans les journaux. Ah, sûrement. Avec des détails. L'enfant et la voiture d'enfant seront certainement mentionnés. C'est sûr. Bonsoir. Andrew. Mais tu rentres plus tôt que d'habitude. Ah, oh, oh, j'en doute, ma chérie, c'est fort peu probable. Je te présente monsieur Timothy Gregg. Ah, bonsoir, monsieur. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré l'inspecteur Malcolm. Oh, ciel, oh là, j'ai déjà eu l'occasion de voir l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Enfin... avons-nous des ennuis? Oh, mon Dieu, non, quelle idée, monsieur Bennett. C'est une simple visite amicale. Je vais vous demander à madame Bennett et à vous si vous nous feriez l'honneur de présider le bal de la police qui aura lieu le 17 novembre, de 20h à minuit. Les billets sont à 2 livres et 6 pence. Buffet compris. Et les recettes, entièrement distribué aux œuvres de charité de la police. Ai-je déjà présidé un bal de ce genre? Non, ce serait la première fois. Bien, alors inspecteur, ne prenez pas mal la question que je vous posais, mais est-ce qu'il serait possible d'acheter des billets sans aller au bal? Tant que vous voudrez, monsieur Bennett. Ah, bon, bah, très bien. Bah, dans ce cas, alors j'en prendrai deux. Mille fois merci, monsieur Bennett, je n'ai pas des billets sur moi, mais j'aurai le plaisir d'en revenir dimanche soir. Mais alors qu'il vous conviendra, inspecteur, hein? Je suis désolé, maman, j'ai pas réussi à trouver ton bonhomme. Quel bonhomme? Eh ben, le bonhomme que je cherchais. Merci beaucoup. Mais qui est-ce? Monsieur Gregg, Andrew. Il s'envole pour l'Afrique dimanche. Et encore le voyage de monsieur Gregg. Pour l'Afrique, force-t-il Michel? Eh bien, voilà. Monsieur Gregg nous a téléphoné pour nous dire qu'il souhaitait absolument nous dire au revoir. Et j'avais peur qu'il ne trouve pas facilement la maison. Où habitez-vous, monsieur Gregg? La maison d'en face, monsieur. Bon, alors, deux billets à 2 livres et 6 pence, c'est bien ça, monsieur Bennett. Et j'aurai le plaisir d'en revenir dimanche soir. Bon, Michel, veux-tu accompagner l'inspecteur? Ne vous donnez pas cette peine. Je suis content, monsieur Gregg, de voir que vous êtes arrivé jusqu'ici sans dommage. Madame Bennett pensait sans doute que j'habitais beaucoup plus loin. Écoutez, j'avoue que je partageais son ignorance, mais c'est très aimable à vous d'être venu nous dire au revoir. À dire vrai, ce n'est pas l'unique raison de ma visite. Ah non? Non, voilà, je me demandais s'il vous serait possible... Et voilà! BX-124, alcali constant, destruction totale! Qu'est-ce que c'est, ça? Un produit pour anéantir les mauvaises herbes! Ah, c'est pas... Ça vient du laboratoire dont je t'ai parlé, 100% de réussite, hein! Montre-moi ça... Ah, tu seras le seul jardinier du pays à en posséder! Oh, pas pour longtemps, hélas! Bah, pour aussi longtemps que tu le voudras, papa, ça n'est pas vendu dans le commerce! Pourquoi? Parce que malheureusement, ça n'est pas simplement dangereux pour les mauvaises herbes, c'est également mortel dans du thé ou du café. Mais qui voudrait en mettre dans du thé ou du café? On ne sait jamais, hein. Ah, si on le faisait, les gens s'éteindraient comme des bougies. Commercialement, c'est ça le problème. Voilà pourquoi j'ai le seul et unique échantillon. Et il est pour toi, papa. Sylvia, je ne sais pas si tu te rends bien compte de tout ce que peut faire ce produit. Mais je préfère ne pas savoir avant le dîner. Eh bien, je te suis très reconnaissant, Michel. Très, très, très reconnaissant. Monsieur Gregg, excusez-moi, mais vous devez comprendre ce que nous pouvons éprouver, nous autres horticulteurs. Lorsqu'une chose pareille nous tombe entre les mains, Bien sûr, monsieur. Je vous souhaite une réussite totale. Mais je vous en remercie infiniment. Vous étiez en train de me dire quelque chose, là, non? Oui, ah. Voilà. J'ai écrit un roman et je me demandais si vous pourriez me recommander à votre cousin, l'éditeur d'un corps. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Bon, bah, si je peux être utile d'une façon ou d'une autre... Ce serait très aimable de votre part, monsieur. Quel genre de roman est-ce, monsieur Gregg? Un roman policier, monsieur. Oh, un roman policier. Il s'agit d'un crime, bien sûr. C'est la recette d'un crime, plus que la recherche de l'assassin. Et c'est là qu'est le suspense. La recette d'un crime, dites-vous? Oui. Mon personnage est persuadé qu'il a découvert ce qu'on appelle le crime parfait. Ah, c'est une bonne chose à découvrir, ça. Dans les romans policiers, sûrement. Mais n'est-ce pas un peu immoral? Pas si le coupable est découvert. Or, ils le sont toujours. Ah, toujours? Oui, toujours. Et ça rend pas l'histoire un peu monotone, ça? Les gens adorent ça, monsieur. Ah bon? Tenez, c'est comme les mots croisés. Ah non, mais moi j'adore les mots croisés, mais aucune question de moralité n'y entre en jeu. Hein. Évidemment, monsieur. Bon, ben, monsieur Gregg, la fiction ne m'a jamais passionné, pas plus que le crime d'ailleurs. Enfin, si vous voulez même laisser votre manuscrit, hein, j'essaierai d'y jeter un petit coup d'œil. Je pourrais difficilement le recommander à mon cousin sans savoir au moins un peu de quoi il s'agit. Bien sûr, hein? Votre avion part quand pour vous déjà, vous m'avez dit? L'Afrique, monsieur, dimanche.
Dimanche? Ah bah, revenez demain soir alors, hein. Nous en reparlerons. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Oh, mais qui ça peut-il être encore? Un certain monsieur, Pedro Juarez. Qu'est-ce que tu dis? Il arrive tout droit d'Amérique du Sud. Oh. Est-ce que tu aurais eu des troupeaux de moutons là-bas ou quelque chose de ce genre? Écoute, il y a 27 ans et encore, j'étais pas éleveur. Bon, peu importe. Ce monsieur est le fils d'un homme qui travaillait pour toi. Il veut absolument te serrer la main. On peut tout de même pas le laisser derrière la porte. Michel va ouvrir. Mais Sylvia, tu es folle, enfin! Cet homme pourrait être n'importe qui. Oui, bah tu ferais bien d'être un peu plus méfiante, toi. Écoute, Thierry, il a appelé d'une cabine téléphonique il y a 20 minutes. Il est venu ici exprès pour rencontrer l'homme que son père était si fier d'avoir connu. Que veux-tu que je lui réponde, moi? Mon mari ne veut voir personne le vendredi soir. Et surtout ceux qui débarquent tout spécialement d'Amérique du Sud. Et on ne se voit pas les méchants, il y est jamais à la rue fort. En tout cas, mais voilà. Oh, Gérard, mes hommages. Bonsoir, monsieur. Signor Bennett. Enfin, il va serrer la main de l'ami de mon père. Seigneur Juarez, pouvez-vous me rappeler où nous nous sommes connus? Mais bien entendu, il y a 27 ans, et oui, beaucoup d'or, beaucoup de pas. Celui-là, c'est votre autre fils? Ah non, c'est monsieur Greg. Signor Greg, il est dérange, si, mais... Pas du tout, je m'en allais. Buenas noches, adios, hasta luego. Alors, à demain soir. Ravi de vous avoir rencontré, ravi. Je te raccompagne. Mais non, laisse. Mais t'inquiète pas, j'ai un rancard dans le coin. Voulez-vous m'excuser, Seigneur Juarez? Mais il faut que j'aille préparer le dîner de mon mari. Oui, je comprends. Le cœur de l'homme, il passe toujours par l'estomac. Oh là là. Bon. Voulez-vous un peu de chéri? Gracias. Oh, non, s'il vous plaît, pas dans un bébé vert. Ah, c'est un bébé vert, ça, pour vous. Le chéri, comme vous dites, il n'est pas fait pour être siroté. Il est comme un vin. Il doit couler comme une rivière à travers la gorge. Mais c'est beau, non? Si, ce verre vous convient-il? Voilà ce que vous voulez, chéri. C'est noble, que tu servez-vous donc vous-même. Grâce. Hein? Vous avez là une merveilleuse maison, eh? Une belle habitation. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Et aussi, une bella signora et un beau chiquito. Ah ben, mon fils part pour Oxford. Oui. Vous avez déjà entendu parler d'Oxford? Oui. Fabrique des autos. Oui. Il professe aussi, hein? Oh là, bon, ça, on va pouvoir. J'ai également une fille qui est secrétaire chez un grand médecin. Y voilà, signorita, et un grand médecin. Seigneur Juarez. Oh. Où et quand ai-je rencontré votre père? Vous ne l'avez jamais rencontré. C'est une surprise, ça, non? C'est une surprise. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes ici? Je vais vous dire pourquoi, mais d'abord... Et je peux m'asseoir? Mais je vous en prie. De mon pays, 20 robustes garçons sont venus dans votre pays, invités par votre gouvernement en visite officielle à Londres. Très joli voyage, oh! Mes compagnons, très gais, beaucoup de beaux endroits à visiter. Mais dans un certain endroit... Oh là, mais qu'est-ce qui vous arrive? On va dire, ça va pas? Oh là là, tenez, mais allongez-vous sur le canapé, hein. Vous serez mieux, mettez-vous là. Allongez-vous, je vous dis, vous serez mieux là, hein? Merci, Seigneur. Pedro, il va mieux maintenant, hein? Bon. Cabron. Cogno. Corazon de mierda. Corazon de puta madre. Tranquille. C'est pourquoi tout ça, hein? Mais... Il a dit quelques mots à celui-là. Ah, très bien. M'ont fait ça de temps en temps. M'ont fait très peur. Ma tête tourne, tout est noir. Pas très agréable, hein. Mauvais compagnon, celui-là. Et pourtant, un jour, ce mauvais compagnon, il gagnera. Un jour, Pedro Juarez, comme ça. Mais c'est pour tout le monde pareil. Ah, hein, oh, mais pas encore, signor, hein. Pas tout de suite. Bon, ça va mieux maintenant? Ça va. Mais, et je vous disais quoi, déjà? Vous me disiez que vous-même et vos collègues passiez la plus grande partie de votre vie... Ah oui, Scotland Yard, voilà.
Vous connaissez cet endroit? Non, je suis jamais allé. Dommage! Mais qui êtes-vous donc? Et je suis officier supérieur de police. Ah ben, chef de la police, quoi. Où? À Golcador. Et il y a longtemps que vous êtes chef de la police? Depuis un an. Ah, oh, bon, c'est marrant. Bon, ben, je vous souhaite un gros succès comme chef de la police à Golcador et un agréable séjour ici. Néanmoins, seriez-vous assez aimable pour me dire pourquoi vous êtes venu chez moi? Moi, c'est un plaisir, seigneur. Vous connaissez les bureaux des passeports? Oui, comme ça. Alors, Pedro, il va au bureau des passeports et il dit aux fonctionnaires de service, dites-moi, s'il vous plaît, où se trouve l'homme qui, il y a 27 ans, avait les passeports numéro tant. Il me répond, donnez-moi les numéros, il essaierait de les trouver. Il lui donne les numéros, 424 135. C'est bien ça, signor Benet? Oui, enfin, sans le voir vraiment. Hein, ah, mais c'est pas la peine. L'homme, lui, il a regardé et il a trouvé aussi l'adresse. Horticulteur, Lovat Road, Wakenheim. Et voilà. Voilà pourquoi il est ici. Alors, non, voilà comment vous êtes ici. Mais pas pourquoi. Pourquoi? Mais c'est pas facile à dire, mais non. Vous allez comprendre. Le premier devoir d'un nouveau chef de la police n'est-il pas d'examiner tous les rapports? De savoir ce qu'il y a dans ces... Comment se dit? Cassier! Fichier, on dit nous. Ah. Enfin, hein. Beaucoup de travail pour Pedro. Beaucoup de noms à retrouver. José Pasquale, Carl Brunetto, Marcus Wright, Andrew Bennett. Eh oui. Un jour, il est tombé sur l'histoire d'un jeune homme qui est venu en Amérique du Sud pour le compte d'une société anglaise à Golcador, acheter et vendre des moutons. Un soir, à la Colomba, à la table du jeune homme, elle vient s'asseoir Anita La Palasca. Elle a les cheveux noirs, des grands yeux, une taille de guêpe, des jambes comme ça et tout et tout. À Golcador est numéro un. Hein? Le jeune homme, il a bu beaucoup de vin. Il suit la signorita dans une chambre premier. Mais Anita, qui est une mauvaise fille, essaye de lui voler le portefeuille. Le jeune homme lui demande de le rendre. Anita, elle n'est pas une fille à rendre quelque chose. Ils se battent jusque sur le balcon. Le dos d'Anita arrive contre la balustrade. La pierre s'éboule. Elle tombe. 10 mètres dans le patio. Un accident! Quoi d'autre? Mais les Anglais, à cette époque, ils ne sont pas très aimés à Golcador. Les gens qui sont dans les patios voient. Ce sont les seuls qu'ils voient. Ils disent que le jeune homme est furieux, qu'il pousse Anita et qu'elle tombe. Et quand la police arrive, c'est cette histoire qu'ils racontent. Moi, c'est une histoire, hein. Tenez. Voilà le portrait du jeune homme, là. Ah, il y a longtemps, hein. Beau cavalero, non? Vous vous souvenez, signor Benet? Seigneur Juarez, l'histoire que vous venez de décrire était bien un accident, hein, qui aurait pu arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe où. Depuis 27 ans, j'essaie de l'oublier. Et je n'y suis parvenu que partiellement, parce que je n'étais que partiellement à blâmer. Mais vous n'êtes pas à blâmer du tout. La balustrade, la pierre d'elle, c'est pour le profond. Mais non, j'avais trop bu. Mais je ne comprends pas, Seigneur Juarez, que vous me rappeliez cette histoire. Je pense que de mon côté, il est inutile que je vous rappelle quelle a été la position de la police à l'époque. Hein, elle avait accepté de mes patrons une énorme somme d'argent pour me permettre de quitter Golcador. La peseta, dans mon pays, elle décide de tout. Mais ce qu'elle ne décide pas, c'est ce qui est écrit là, dans les rapports. Et dans le rapport, il est écrit que le jeune homme, après avoir échappé à la police, il n'a pu être retrouvé. Mais que si jamais on le retrouve, il sera jugé pour le meurtre d'Anita La Palasca. Président du club de cricket, vous êtes... Laissez cette carte, je vous prie. Non, vraiment, Seigneur Juarez, moi je comprends toujours pas pourquoi vous êtes ici, vous. Mon sens du devoir. Ah, voilà. Mais si on est chef de la police, et qu'on sait qu'un homme est recherché pour meurtre, si on va dans le pays où cet homme vit, on fait quoi? On dit, c'était une belle signorita avec des beaux cheveux, des jambes comme ça et tout et tout. Et cet homme, il l'a tué. Et maintenant, il a une belle maison, une belle signora. Il est président du club de cricket, etc., etc., etc. Mais moi,
Il a fait quoi? Il offre un monsieur? Il rentre dans mon pays et basta. Non, mais je l'ai pas tué. Oh, mon sang, signor, vous et moi, nous le savons. Mais dans les rapports. Mais non, mais ça ne me concerne pas, moi. Mais c'était votre nom que les témoins ont dit. Les témoins, les témoins. Mais on ne croirait aucun de ces témoins. Les témoins. Dans mon pays, on croit personne, alors on croit tout le monde. Hein? Vraiment, en plus. Non. Le signor, il voit maintenant où il est le devoir de Pedro. Oh. Quel devoir? Le devoir de demander aux autorités britanniques la... Ah, comme disent, la... extradition. Une extradition? Si. Non, vous êtes fou. Pour une histoire vieille de 27 ans, vous n'avez aucune chance. Hein. Peut-être pas, en effet. Une extradition. Ben, dites-moi franchement, signor Bennett, si je me trompe. Oui. C'est très important pour vous que je dévoile la vérité. Si les journaux d'ici racontent que le président du club de cricket, il est recherché à Gualcador pour le meurtre d'une prostituée, est-ce que ça ne fera pas une petite surprise locale? Bon, j'ai compris. Combien voulez-vous? Oh, que m'en arrive, signor? Madame Veil, c'est seulement les hommes qui font du chantage. Et on va en prison, et longtemps pour ça. Ah non, Pedro n'est pas venu ici pour faire du chantage. Ah non? Non. Ah, ben, c'est bien limité, alors. Et pourquoi? C'est très simple. Si Pedro ne fait pas son devoir, Pedro, il est malheureux. Mais si Pedro, il ne gagne pas de pesetas parce qu'il fait son devoir, alors Pedro, il est encore plus malheureux. Combien? 200 000. Oh non, mais... Ah non, mais un espagnol, c'est pas beaucoup, mais un anglais, c'est ça. Mais je sais pas. Mais ça, je pense pas. Pas ici, dans les portes de la ville. Mais ni ici, ni ailleurs. Enfin, 200 000 livres. Enfin. Le seigneur Bennett, il comprend pas, hein. Moi, il n'y a qu'à prendre les dossiers et aller à Scotland Yard. Oui. Seulement, ils vous demanderont pourquoi le dossier, il est resté pendant 27 ans sur votre bureau. Non. Sur le bureau de l'ancien chef de la police, pas sur le bureau de Pedro. Voilà la différence. Oh, mais pourquoi parler comme ça? Ah, dame, je ne suis pas venu ici pour faire des ennuis au signor, à la signora, et au chiquito de petite. Non. Moi, je vaux des pesetas. C'est tout. Oui, ça, j'ai compris ça. À votre tour maintenant de comprendre quelle est ma situation. Voyez-vous, je suis un honnête citoyen, Seigneur Juarez. Pas très haut placé, sans doute, mais très estimé dans cette ville, hein, depuis de nombreuses années. Seulement, vous savez, moi, j'ai jamais eu que mon salaire pour vivre. Hein. Alors bon, il m'a permis d'élever ma famille, puis d'économiser un petit peu chaque année pour acheter cette maison, mais c'est tout, c'est bon, j'ai pas un sou devant moi. Hein. Ah, mais j'ai pas la moindre économie sur laquelle je pourrais vous verser, je sais pas, 200 livres. Alors parlons pas de 2000... Ah non, mais c'est un petit somme. Attends, laissez-moi terminer. Ce qui signifie que si je faisais ce que vous me demandez, il faudrait que je vende cette maison, hein, avec à peu près tout ce qu'elle contient, que je quitte cet endroit où nous avons toujours vécu depuis 25 ans, ma femme et moi, que nous abandonnions les amis que nous nous sommes faits ici et que je recommence une autre vie ailleurs. Seigneur Juarez, vous ne me connaissez pas, mais si vous me connaissiez, vous sauriez que ce que vous me demandez, là, c'est impossible. C'est un beau discours, signor. Pedro, peut-être il n'aurait pas fait mieux. Hein? Mais il ne croit pas un mot de ce que vous me dites. Peut-être, comme on dit dans les affaires, il vous faut un certain temps pour vous décider. Tenez, voilà un numéro de téléphone où vous pourrez me choisir. Et si la réponse elle est ce que je crois, je reviendrai dimanche pour chercher l'argent. Non, si c'est non. Alors, lundi matin, justement, j'oubliais. Lundi matin, nous avons rendez-vous avec les journalistes pour leur dire combien notre Seigneur ici, il nous a enchantés. Mais Pedro, lui, il est très capable de leur dire pourquoi sa visite ici, elle a été particulièrement satisfaisante. Hasta luego. Seigneur Juarez. Seigneur. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Et vous écoute. Voilà, il est possible parfois de pousser un homme trop loin. Je comprends.
Mais c'est à moi de juger jusqu'où un homme il peut aller. Oui. Alors, ça s'est bien passé cette petite conversation? Oui, Seigneur Juarez s'en va. Voilà, absolument typique. La pauvre femme esclave va dans la cuisine et quand elle revient pour boire un petit verre et fumer une cigarette... Oh, mon petit rame, permettez. Oh, merci beaucoup. C'est comme cela que l'on traite les femmes dans votre pays, Seigneur Juarez? Non, Signora, dans mon pays, on ne traite pas les femmes. On se met à leurs pieds. Oh, Andrew, pourquoi ne me dis-tu jamais des choses comme cela? Vous avez un manteau, Seigneur Juarez? Non, pas de manteau. Adios, en butante, Signora. Adios, Monsieur Juarez. Signor Benet. Tu ne trouves pas que tu as été un peu sec avec ton ami? Si. Pourquoi, il ne te plaît pas? Non. Alors, tu te souviens de son père? Je n'ai jamais rencontré son père. Le dîner est prêt? Mais dans ce cas, pourquoi? Non, vraiment, ma chérie, tu sais, il n'est pas recommandable d'ouvrir sa porte à des étrangers. On y va? Guantanamo, samedi soir, 21h. Silence total. Il doit lire ou travailler. Bon, reste près de sa porte jusqu'à ce que je sois partie. Mais à quoi bon tout ce manège? Je sors. Je vais voir une certaine Madame Hardcastle. Qui est cette dame? La mère de la voiture d'enfant. Le boulanger du coin m'a donné son nom. Il la connaît et a vu ce qui s'était passé. Mais maman... Mais une femme adorable, paraît-il. Elle n'a pas eu peur du tout. Elle a trouvé que l'agent était dans son tort et moi dans mon droit. Aussi, je vais lui demander de le dire tout haut au tribunal lundi. Tu crois qu'elle marchera? Oh, bah sûrement. Quand elle saura que je connais intimement la directrice de l'école de danse où elle veut mettre sa fille... Oh non, maman, tu ne peux pas faire une chose pareille. Ça, c'est de la corruption de témoin, hein. Mais ne sois pas idiot, chérie. Comment une femme peut-elle corrompre une autre femme? Bon, si ton père me demande, dis-lui que je suis en train de me laver les cheveux. Ça fait toujours fuir les hommes. C'est Timothy Gregg. Il vient voir ce que ton père pense de son livre, il n'en a pas lu un mot. Allez, fais entrer Monsieur Gregg. Moi, je vais changer ce livre de place. Il est toujours au même endroit qu'hier soir. Bonsoir, tu me dis. Bonsoir. Ton père est là? Oui, oui, entre. Tout va bien, il est reparti dans sa tanière. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est rien, je parlais à ma mère. Ah, bonsoir, Monsieur Gregg. Bonsoir. Je dois vous dire toute la vérité, mon mari n'a pas ouvert votre livre. Ah, bon, ben ça ne fait rien. Ah, si, ça fait. Il vous l'avait promis, il faut tenir ses promesses. Mais depuis hier soir, il n'est pas tout à fait lui-même, n'est-ce pas, Michel? J'ai essayé de lui dire, le livre. Il a grogné quelque chose et le livre est toujours là. Mais si j'étais à votre place, je lui raconterais l'histoire. Oh, ne vous inquiétez pas s'il ne vous écoute pas, ou s'il s'endort, ou s'il fait les deux. Pour lui, les romans, à part Dickens, c'est une perte de temps. Quant au roman policier, alors là, une perte d'imagination. Mais je ne demande aucune réaction, Madame Bennett. Je demande seulement qu'il veuille bien l'envoyer à son cousin. Ça, je vous promets qu'il le fera. Et maintenant, excusez-moi, mais il faut que je sorte. Michel, va dire à ton père que Monsieur Gregg est là. J'espère que votre livre aura beaucoup de succès, Monsieur Gregg. Et puis, je vous souhaite un bon voyage pour ce pays, enfin, là où vous allez. C'est l'Afrique. Ah ben voilà, pour l'Afrique. Allez, au revoir. Au revoir. Prêt? Oui. Ah, je fais entrer le père. Papa, Timothy Gregg. Bon, ben moi, je file au Lion Noir. Où ça?
Bah, tu sais, cette fille avec laquelle j'étais hier soir. Ah, la barmaid. Oui, oui, enfin, on peut aussi l'appeler comme ça. Hein. Oui, oui, je vois très bien, je dois dire qu'elle est vachement... Chut, parle plus bas, je l'ai pas encore présenté à mon père. Qui est-ce qui veut me voir? Timothy Gregg, tu te rappelles hier soir au sujet de son livre? Ne contez lui que je suis pas là. Trop tard. Hein. Mais entrez, monsieur Gregg. Où est ta mère? Elle se lave les cheveux. Oh là là. Bon, ben, bah, asseyez-vous, monsieur Gregg. Bon, t'as besoin de moi, papa? Non, pourquoi faire? Ben, je vais respirer un peu l'air, alors. Ah oui, il pleut à torrent, hein, je te signale. J'ai mon impair. Oh, alors, bonne chance. Merci. Bon, monsieur Gregg, au sujet de votre manuscrit... Il est là, monsieur, mais... sur votre étagère. Oh, ben, bah, je crois comprendre que vous n'avez pas eu le temps de l'ouvrir. Oh là là. Vous aimeriez peut-être que je vous raconte l'histoire? Voilà. Excellente idée. Voulez-vous boire un verre? Vous prenez quelque chose vous-même? Ah, ce soir, oui. Alors, volontiers, je vous tiendrai compagnie. Très bien. Le titre est Crime sans trace. Ah. Sans quoi, vous dites? Sans trace, monsieur. Ah oui. Le titre vous plaît? Je pense bien. Un crime sans trace. Pardon, vous préférez de l'eau plate ou de l'eau gazeuse? De l'eau gazeuse, s'il vous plaît, monsieur. Alors, la base de l'histoire, c'est un chantage exercé sur un citoyen respectable. Ah bah, comment... Lola, pardon. Oh, excusez-moi, non, je suis désolé. C'est hein. Rien. C'est parce que je pense... Je... Pardon. Oh là là, quel gâchis, hein. De whisky, en plus. Enfin... Je vous disais donc qu'il s'agissait d'un chantage. Oui, j'ai entendu hein, ça. Mais pourquoi chantage? Comment ça, pourquoi, monsieur? Mais oui, il y a d'autres crimes. Alors, pourquoi chantage? Oui, en effet, il y a d'autres crimes, mais le chantage est ce qu'on peut appeler un bon filon pour l'auteur. Surtout quand celui-ci veut attirer la sympathie sur l'assassin. C'est ce que vous cherchez, vous? Ah oui, monsieur, c'est l'assassin qui est mon héros. Ah, c'est l'assassin qui est votre héros? Oui, monsieur. Merci. Et c'est ce livre que vous voulez que je recommande à mon cousin? Non, entendons-nous bien, monsieur. Ce livre est un roman policier sur la façon de commettre un crime. Voyez-vous, dans ce genre de livre, il n'y a pas de suspense autour de l'assassin. Le lecteur le connaît depuis le début et doit simplement le regarder agir. Et c'est pour ça aussi que la victime doit être un maître chanteur, un dealer ou un ripoux. Oh, je vois. Comme mon héros est un citoyen irréprochable, il est peu probable qu'il ait été en relation avec un dealer, un ripoux ou encore moins un proxénète. Oui, mais il est aussi peu probable alors qu'il soit susceptible de chantage. Oh, monsieur, qui de nous n'a pas un cadavre quelque part dans un placard? Enfin! Et d'abord, quelles sont les raisons qui pousseraient un honnête citoyen à commettre un crime? J'ai beaucoup réfléchi à cette question, monsieur. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'une seule chose pourrait l'y contraindre. La peur. La peur d'être totalement discrédité auprès de ceux qu'il aime et qu'il estime. Oh, ça doit vous paraître un peu compliqué quand on le présente comme ça. Non, mais... non, bon, vous le présentez très bien. Très, très bien. Voulez-vous encore un peu d'eau gazeuse? Oui, merci. Et quel est le... Oui, pardon. Et quel est le cadavre de votre héros? Abus de confiance, monsieur. Ça n'a d'ailleurs pas une grosse importance. Ce que veut surtout le lecteur, c'est suivre les faits et gestes du meurtrier. Oh, tenez, parlons de ça. Attendez. Attendez, parce que dans la réalité, il n'y aurait pas eu d'assassinat. Ça vous gêne pas, ça? Pourquoi ça? Bah, pour la bonne raison que votre citoyen irait directement déposer une plainte à la police. À propos d'une chose pour laquelle la police le recherche déjà? Ah, oui, en effet, oui. Oui, c'est vrai, vous marquez un point, là. Je ne veux pas prendre... Oui. Alors, si d'une part on écarte la police et que d'autre part il n'a pas l'argent pour payer, il faudra ou bien que sa famille soit mise au courant, ou bien... qu'il commette un assassinat. Exactement, monsieur. Et vous pensez vraiment que vos lecteurs croiront qu'un citoyen convenable, respectueux de la loi... Mais monsieur, la suppression d'un maître chanteur est un bienfait pour tout le monde. Et l'épargner, dans mon cas, signifierait la ruine de 4 innocents. Mais c'est pas une simple question d'arithmétique, monsieur Gregg. D'accord, mais... Enfin. La question est de savoir ce que ferait un homme acculé de la sorte. Or, sachant qu'il a toutes les chances de s'en tirer, et étant donné les circonstances que j'ai décrites dans mon livre, pourquoi ne le ferait-il pas? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible.
C'est impossible. Et en plus, c'est immoral. Ce n'est pas mon avis, monsieur. Mais ben, c'est le mien. Hein. Tant pis, je suis désolé. Et en dehors de toute autre considération, hein, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'en tirerait? Analysons les faits, voulez-vous? Oui. L'essentiel est que sa maison soit voisine de celle du docteur. Quelle maison? Celle de notre honorable citoyen. Appelons-le A, si vous voulez. Mmh. Et le maître chanteur, B. Mmh. Le maître chanteur, c'est-à-dire B, doit venir à 8 heures chercher son argent chez A, qui habite aux environs de Londres. Un quart d'heure avant son arrivée, A, notre héros, téléphone au docteur en lui racontant qu'il est ici en touriste et qu'il l'appelle d'un hôtel proche de la gare. Il ajoute, et ça c'est capital, qu'il a une maladie de cœur, qu'il ne se sent pas très bien et qu'il lui paraît sage de voir un docteur avant de reprendre le train pour Londres. Étant donné l'urgence, le docteur lui fixe rendez-vous chez lui un quart d'heure plus tard. B, qui ignore tout, bien entendu, arrive tranquillement chez A pour toucher son argent. A lui donne une dernière chance de cesser son chantage et devant son refus catégorique, verse quelque chose dans son verre qui le tue par arrêt du cœur. Puis, A retéléphone au docteur en lui disant qu'un inconnu est arrivé chez lui en demandant le docteur qu'il s'est évanoui sur le pas de sa porte. Le docteur arrive, révèle à A que justement quelqu'un lui avait téléphoné un quart d'heure plus tôt de la gare et constate la mort par arrêt du cœur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bennett? Non, c'est intéressant, hein. Inutile de vous apprendre, je crois, comment j'ai eu cette idée. Ah ben si, comment? Eh bien, ma maison est précisément à côté de celle du docteur. Oh, bon, bah, là, je comprends mieux déjà, comme ça. Oh, mais j'y pense. La vôtre aussi, monsieur. La mienne? Oui, votre maison est aussi à côté de celle du docteur, mais de l'autre côté, c'est tout. Écoutez, imaginons pour bien comprendre mon histoire que le maître chanteur soit venu chez vous. Non mais je comprends parfaitement votre histoire. Y trouvez-vous des failles? Des failles? Oh bon, mon bon jeune homme, bien sûr. Pouvez-vous m'en indiquer une? Ah ben il y en a plusieurs. Tout d'abord, évidemment, il y aura une enquête. Bah, évidemment. Et l'enquête révélerait quoi? Simplement le fait que le cadavre était celui de l'homme qui avait pris rendez-vous avec le docteur à cause de son cœur et que tout naturellement, il avait dû se tromper de maison dans l'obscurité. Oui, mais au cours de cette enquête, il y aura bien des amis, des parents qui viendront témoigner que votre monsieur B n'avait jamais eu de maladie de cœur. Enfin, en tout cas, eux n'en avaient jamais eu connaissance. Si vous avez une maladie de cœur, c'est pas un truc qui vous tombe comme ça d'un coup du ciel sur la tête, hein? Ah, oui. Ben oui, oui. Ah oui. Non, ce qui serait plus intéressant, voyez-vous, c'est que monsieur B ait justement une maladie de cœur. Que monsieur A, le sage, parce que au cours d'une réception précédente, par exemple, monsieur B aurait justement eu une petite attaque. Et alors, monsieur? Hein? Et alors, c'est votre histoire, mon cher ami? Ce n'est pas la mienne. Voulez-vous boire un autre verre, tiens? Pas pour moi, merci. Bon, monsieur Greg, puisque vous me laissez votre manuscrit, j'aimerais bien... Monsieur Bennett? Oui? Vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs failles. Oui? Avez-vous pensé, par exemple, au poison? Au poison? Oui, celui qu'il doit verser dans le verre. Vous disiez, monsieur? Hein? Non, je disais rien. Si, vous alliez dire quelque chose. Non. Mais puisque vous soulevez la question, croyez-vous vraiment qu'il en prendrait un? Que qui prendrait quoi, monsieur? Bah, votre maître chanteur, là, un verre. Parce que, je sais pas, mais il me semble, dans des circonstances pareilles, il se méfierait un peu, non? Vous voulez dire qu'il aurait peur d'être empoisonné? Ah ben oui. Remarquez, personnellement, je crois pas que les gens passent leur temps à verser du poison dans le verre de leurs invités. Mais enfin, moi, si j'allais chez un homme avec l'intention de le ruiner, lui et sa famille... Je pense pas que je boirais son whisky, hein. Oui, mais vous prendriez peut-être une petite tasse de café. Oui, peut-être, mais de toute façon, je le laisserai boire le premier. C'est bien ce que je fais, monsieur. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Le maître chanteur est alors rassuré et accepte à son tour de boire le café. Ben oui, mais il se passe rien là, dans ce cas-là. Malheureusement pour lui, il prend du sucre. Wow.
pour lui dire que le poison est dans le sucre. En poudre. Exactement. Et s'il prend pas de sucre dans son café? Son hôte en prend. Et quand on apporte le plateau, c'est cette tasse-là, comme par hasard, que B choisit. Qu'en pensez-vous, monsieur? Cette idée vous plaît? Ah bon, je la trouve très bonne, même. Très, très bonne. Mais où trouverait-il le poison? Ah. Ah. Oui, ça pose un problème, en effet. Hein? Cela dit, l'autre soir, quand votre fils vous a apporté cette bouteille de poudre pour tuer les mauvaises herbes, eh bien, j'ai tout de suite pensé que ça devenait tout à fait normal de poser un poison mortel sur la cheminée. Et l'incroyable de tout ça, c'est que votre truc est mortel dans du thé et du café, et que par-dessus le marché, ça a le même aspect que le sucre. Oh, mais c'est pourtant vrai. En d'autres termes, voilà exactement ce qu'il me fallait. Mais voyez-vous, ça, c'est la réalité, et moi, j'écris de la fiction. Oui, comme vous dites, oui. Oh, autre chose. Évidemment, il faut que la famille de A ignore tout de cette histoire. La famille de A? Et oui, cette nuit-là. Oui. Je veux dire qu'ils ne doivent surtout pas identifier cet inconnu comme étant quelqu'un qu'ils savent, qu'ils connaissent. Oui. Pouvez-vous me répéter ce que vous venez de dire? Bien. A veut prouver que l'homme qui est mort sur le pas de sa porte lui est inconnu. On est bien d'accord? Oui, jusque-là, ça va encore. Bon, si sa famille voit le corps après, il ne faut pas qu'ils aient vu l'homme avant. Et s'ils ont vu l'homme avant, il ne faut pas qu'il voie son corps après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est évident. Mais alors, dites-nous, ce qui sera encore beaucoup mieux, c'est que la famille ne le voit pas du tout. Ni avant, ni après. Voilà, et c'est ce que j'ai mis dans mon livre. Oh, ben vous avez vraiment bien fait. Hein. Mais dites-moi si je me trompe, là, votre histoire, là, elle serait tout aussi valable si la famille avait tout de même vu le corps avant. Certainement. À condition qu'elle ne le voit pas après. Voilà. Oh, je dois dire que vous avez parfaitement saisi mon histoire. Vraiment? Ah oui, oui, oui. Et votre femme qui me disait que ça ne vous intéresserait absolument pas. Quand est-ce que vous a dit ça? Mais là, ce soir. Je crois qu'elle se lavait les cheveux. Mais comment, mon enfant? Mais vous, je... Mais bah, bien sûr que ça m'intéresse. Ah, il y a de même un point que je voudrais tirer au clair au sujet de cet appel téléphonique. Oui, lequel? Ne croyez-vous pas que le docteur reconnaîtrait la voix de monsieur A? Hein, surtout s'ils sont voisins depuis tant d'années. Il doit déguiser sa voix, évidemment. Mais bien sûr que je suis bête. Oh, c'est pas très difficile, vous savez. Ça, j'ai jamais essayé. Alors. De toute façon, si un homme vous dit au téléphone qu'il est là en touriste et qu'il vous appelle de la gare, vous ne vous attendez pas à ce que ce soit votre voisin. Pas vraiment, non. Vous entrez, monsieur, si je puis vous dire ça, jusque dans les moindres détails. Hein. Ben oui, mais il faut. N'oubliez pas que mon seul but est de distraire mes lecteurs. Évidemment, si j'avais affaire à la police, ce serait une autre paire de manches. Oui, ça, je l'imagine aisément. Mais... Pourtant, voyez-vous, je parierais tout de même que j'arriverais à convaincre aussi ces messieurs. Ah, vous croyez? Ah, absolument! Le mérite de mon plan réside dans sa simplicité. Ah, ça, je dois dire que plus on examine votre histoire, plus il est difficile de les trouver. Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, ben, je vois bien. Ce n'est absolument pas l'intention de tuer quelqu'un, hein. Non, ben, bien sûr. Mais si j'y étais obligé, et si le hasard me donnait la chance d'habiter à côté d'un docteur, c'est exactement comme ça que j'agirais. Vraiment. Ah, sans aucun doute, monsieur. Bon, ben, monsieur, je vous remercie beaucoup, hein, tout ça a été très intéressant. Et puisque vous blessez votre manuscrit, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil. Bien entendu. Hein, avant de le donner à mon cousin. Quand partez-vous pour l'Afrique, déjà, vous m'avez dit? Demain, monsieur, à l'aube. Et vous y restez longtemps? Assez longtemps, oui, c'est un emploi fixe. Enfin, vous aurez des vacances, quand même. Ah oui, dans 4 ans environ. Ah, bon, donc, merci beaucoup. Monsieur Bennett. Oui? Si votre cousin désirait me joindre, il n'aurait qu'à m'écrire à mon adresse, ici. Et c'est? Eh bien, la porte de l'autre côté, monsieur. Oh, bon. Ah, on pourrait presque dire que mon petit roman est bâti sur un terrain qui nous est commun à tous les deux. Mais nous le voyons sous un angle différent. C'est ça, même. Et où un manteau? Pas de manteau, monsieur. Eh bien, je vous souhaite bon voyage, monsieur Craig. Bon week-end, monsieur Bennett. Oui, ça, c'est autre chose.
C'est fou, on se rend pas... Oh là là. Oh là là. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, ça. Oh là là, mon Dieu, mais comment... Hello. Ah, chérie. Alors, mon ange, tu t'es bien lavé les cheveux? Ah oui, merci. Monsieur Greg est parti. À l'instant, là. Alors, tu as aimé son livre? Son livre? Oui, mon chéri, celui pour lequel il est venu te voir. Ah, ça, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crains que ce ne soit très, très mauvais. Et comment ça? Quel point de vue? Ah, bah, tous les points de vue. Hein. Non, parce que les gens n'agissent pas dans la réalité comme il les fait agir dans son roman. Et qu'est-ce qu'il leur fait faire? Ils assassinent d'une manière qui ne se fait pas. Ah. Et comment doit-on assassiner? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il craque, là? Ah, mais rien ne me trinquasse. Moi, je dis simplement que j'aime pas son livre, c'est tout. Alors, tu le lui as rendu? Non. Ah. Ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, ce que je dis. L'auteur m'a confié ce manuscrit. Ce qu'il contient est une matière confidentielle, hein, entre lui et moi, et personne ne touchera ce manuscrit jusqu'à ce que j'en ai décidé autrement. Réponds au téléphone! Allô? Allô, maman? Anne! Anne, ma chérie! Mais d'où m'appelles-tu? De chez John. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est Anne qui m'appelle de chez John. Tu es allée là-bas pour voir sa famille? Maman. Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Eh ben oui. Je me suis fiancée à John. Ah non. Ah non. Ah, ma chérie, c'est pas possible. Oh là, c'est pas possible, ça. Ma chérie, je sais absolument pas quoi dire, c'est tellement soudain. On est, voilà ton père qui est blanc comme un linge, il croit qu'il y a eu un accident. Anne vient de se fiancer avec John. Oh. Non mais John Marlowe, le spécialiste des poumons chez lequel elle travaille. Enfin voyons, mon chéri, elle travaille avec lui depuis 6 mois. Oh, le croirais-tu? Il est là, tout est pété. Elle m'a décidé à comprendre, elle m'a bondir sur le téléphone. Oh, ma chérie. Tu sais, je n'arrive pas à réaliser. Maman, je suis tellement heureuse que je suis sûre qu'il va se passer quelque chose. Mais non! Enfin, ne dis pas des choses pareilles. Tu sais très bien que tout va marcher parfaitement. Ah, maman. Oui, oui. On appelle John. Il faut absolument que je raccroche. Je comprends, ma chérie, ça je comprends. Très, très bien. Écoute, je vais rappelle-nous plus tard. Hein. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Allez, au revoir. Elle a raccroché parce que le standard voulait la ligne. On a appelé John de l'hôpital, elle va nous rappeler. Oh, Andrew. Elle avait l'air si heureuse. Non, mais sais-tu ce que cette idiote m'a dit? Qu'elle était certaine que ça ne pouvait pas marcher et que quelque chose allait sûrement arriver. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, là? Ah non, mais je comprends ça très bien. Ce qui arrive est si merveilleux, épouser ce jeune et brillant garçon. Alors elle pense que c'est trop beau et que quelque chose va lui tomber sur la tête. Faut que j'aille dire tout ça à Michel. Puis j'ai l'annoncé à tout le monde, alors tout de suite. Oh. Michel, où es-tu? Michel. Ici Brooklyn 0742. Je voudrais Vauxhall 92 55, s'il vous plaît. 55. 55. Non, je quitte pas, j'attends. C'est... Avec une. Je ne quitte pas, j'attends. Singing in the rain. Just singing in the rain. Hello, papa! Hello, Michel! Bah, qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'air sombre! Ça va bien, tu vas très très bien, voilà. Très très bien. Ta sœur vient de se fiancer avec John Marlowe. Ta mère est montée te le dire, hein. Quoi? Là-haut. Madame! J'apprends qu'Anne a mis le grappin sur Marlowe! Oui, viens vite, j'ai pas compté!
Allô, Seigneur Juarez. Oui, c'est... Oui, c'est... voilà. J'ai décidé de payer... J'ai décidé de payer ce que vous demandez. Oui. Pouvez-vous venir chez moi demain soir? À... 8 heures. Maintenant, dimanche 19h45. Descend l'escalier. Bon, ça c'est fait. Puis il traverse la pièce. C'est fait aussi. Tout est clair dans son esprit. D'accord, mais... Ça reste à faire. Puis il se dirige vers le téléphone et calmement compose le numéro du docteur. Allô docteur, vous ne me connaissez pas, je suis ici comme touriste étranger et je ne me sens pas bien du tout. Ah bah oui, étranger. Oh là là. Étranger. Enfin. Allô? Allô, docteur? Vous m'en encore... Vous m'en encore... Vous m'en encore... Comme touriste étranger, j'ai... Faudra faire avec, hein? Puis il pose les deux tasses sur le plateau que vient d'apporter Agathe. Agathe. Sylvia, bien sûr, Agathe. C'est pour café qu'il versera tout à l'heure dans la tasse du maître chanteur. Puis il retourne vers le téléphone, compose à nouveau le numéro du docteur. Allô docteur, pouvez-vous venir immédiatement? Un homme vient de mourir chez moi. C'est pratique à annoncer, ça. Et voilà. Veux-tu que je te dise quelque chose, mon chéri? Oui, je veux bien. C'est la première fois en 25 ans que tu me demandes du café après le dîner. Tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère? Ah non, non. Ben non, bien sûr. Seulement quand tu demandes une chose à laquelle on ne s'attend pas, on a peur d'un crack en bourse. Je t'assure qu'il n'y a rien d'extraordinaire à demander une tasse de café. Tu vas sortir avec Michel, moi je reste ici pour travailler. Bon, ben le café me tiendra éveillé. Il n'y a pas de sucre? Tu ne prends jamais de sucre. Oh, toujours avec le café noir. Oh, mais tu ne prends jamais de café noir. Non. Enfin, non, pas... Pas à la maison, ma chère, mais quand je sors, quand je vais dans des dîners en ville ou ailleurs, je prends toujours, mais toujours, mais toujours du café noir. Toujours. Ce soir, là, tu es à la maison. Écoute, ma chérie, c'est très gentil de ne pas me faire passer un examen sur ma façon d'aimer le café. Hein, il se trouve que je veux du café noir et que j'ai du sucre avec. Là. Bien. Mais je vais te chercher un morceau. Non, je veux tout le sucrier. Mais Andrew, pourquoi veux-tu le sucrier? Dans le cadre où j'aurai la fantaisie d'en prendre une seconde tasse. Oui, on l'a 8h10. Si tu veux même pas perdre de temps, toi. Bon, Andrew, ne crois pas que je ne te sois pas reconnaissante. Mais qu'est-ce qui a bien pu te donner l'idée de nous prendre des places à Michel et à moi pour ce concert symphonique? Mais j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Mais nous n'aimons la musique classique, ni l'un ni l'autre. Oui, mais là, c'est le New Philharmonic Orchestra, dirigé par Schulberg. C'est la première fois qu'ils viennent ici. Tu as vu le programme?
Le propre, non. Il est derrière toi. Ça là? Oui. Ah. Poème symphonique de Moussorgski. Nuit sur le mont Chauve. Eh ben... Voilà. Voilà. Voilà de la musique descriptive, j'imagine. Évoquant l'atmosphère d'une nuit sauvage sur la montagne pelée. Ça doit être tout à fait ça. Oh, l'après-midi d'un faune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que ça dit, ma chérie, l'après-midi d'un faune, hein. Mais comment un faune peut-il avoir un après-midi? Ah, ça, je sais pas, mais ça explique sûrement le genre de pensée qu'aurait un faune qui disposerait d'un après-midi. La symphonie est un nouvel art. Oh, puis par Solnikov. Ah oui, il y a aussi une description de ça. Ah oui, salué par la critique lors de sa première audition. Comme une partition du désespoir, cet ouvrage, on peut le dire, atteint les profondeurs de la misère humaine. Quelle merveille! Mais quelle merveille! Mais quelle merveille! Bon, on y va! Ah, ça doit être le taxi. Le taxi? Oui, je pensais que vous aimeriez avoir un taxi. C'est à 300 mètres. Oui, la radio a annoncé du brouillard. À une heure? Oh, écoute, Agathe! Agathe! Bah écoute, ma chérie. Si je veux te faire plaisir... Ah mais très bien, mon chéri, très bien. Mais il faut prévenir. Ouais, mon chéri. Bon, je vais le chercher. Non, mais... Oh, ne te dérange pas, dis-moi simplement où il est. En haut, sur l'étagère à droite, le sucre brun. Ah, je veux pas de sucre brun. Pourquoi? Mais parce que... Ça ressemble à des sels pour le bain, enfin. Mais non, qu'est-ce que tu fais exprès, tu es difficile. Qu'est-ce que la couleur du sucre peut bien te faire? Mais je juge pas difficile, t'as juste une chose tout à fait normale. J'ai du sucre dans mon café. Mais je ne demande même à personne d'aller chercher, hein. Non, simplement, où il est? Oui, tu devrais le savoir. Oui, ah bah oui, devrais le savoir, c'est vrai, je suis pas un mari à la hauteur. Ne pas savoir où on range le sucre. C'est... Mais je vais travailler, monsieur. Tu as des progrès, mais pour le moment, c'est... Très bien, mon chéri, très bien. Mais très bien, je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends? Mais tu as trop travaillé ces derniers temps. Tu es exténué, alors assieds-toi là. Repose-toi. Et prends le sucre qui te plaît. Michel et moi, nous rentrerons dès que nous aurons fini de souffrir. Te viens, mon Michel, chéri. Bonsoir, papa. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas, c'est fou, un pieu large pour faire ça. Oh là là. Oh, bah, puis il manque le principal, le sucre. Ah, rien. Mais les billets, Michel, les billets, je croyais les avoir mis dans mon sac. Je les ai peut-être laissés sur le buffet. Ah, Dieu merci, les voilà. Je ne suis pas là, qui est-ce? Le colonel Barstow. Ah, colonel Barstow, oui, vous voulez parler à mon mari? Oui, oui. Mais ne quittez pas, je vous le passe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tasse? C'est pour boire des dents, hein, sur vous. Ne cherchez pas à être drôle, je suis battu, tu as déjà une tasse. Eh ben, fêlée. Fêlée? Mais je ne vois aucune fêlée. Oh, bah, comment? Il n'y a pas de sucre dans ce sucre. Non. Alors, donc, qu'est-ce qui te... Bon, et puis, d'abord, qui est-ce, là? Le colonel Barstow. Eh ben, faut que tu répondes, non? C'est fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il continue, là? Mais j'en sais rien. Mon chéri, je t'ai laissé assis tranquillement dans un fauteuil. J'ai quitté la pièce une seconde. Et voilà que tu te mets à courir après les sucriers vides, avant des fêlures dans les tasses. Et en plus, tu m'appelles Agathe. Désolé, ma chérie. Tu les as trouvés? C'est bien ce que je craignais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je cherche pas à comprendre. Donne-moi ça, réponds au téléphone et fais taire cette homme. Je sais plus où j'ai l'air. Bennett, voilà. C'est Bennett, pareil. J'entends rien, mais c'est Bennett. C'est Bennett, pareil. Non, c'était juste pour vous dire que j'écoutais pas, hein. Je ne serai pas longue, chérie. Ben oui, tu dis ça. Pardon, mais il me manque une tasse, moi. C'est bien ce que je disais. Il me manque une tasse. Oh, je sais pas si je vais. Si
vais y arriver aujourd'hui, moi, mais... Et puis l'autre, là! À cette heure-là, en plus! Hein? C'est Bennett. Là, pareil. Allô? Allô? Ça pour rien, en plus. Oh là. Bon, allez, hop. Vous ne me connaissez pas. J'appelle l'hôtel du Cheval Blanc. Je suis un touriste étranger. Allô? Allô, allô? Étranger, ici, ici. C'est Corée, c'est un hôtel à Paris. Vous m'en encore? Maman, non, 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 c'est pas ici, ils appellent le Tilsa Balblo. Si, quand on est étranger, je veux. Ils ne font pas bien du tout. Et si vous pouvez me laisser voir sous pied, avant que j'ai des trucs pour l'autre. Comment? En 40 minutes, je vais aller tout de suite. Au revoir, merci, adieu, au revoir. Mais c'est fou ça! Comment vous avez mis la boucle qui est venue avec le matin? Oh non! C'est bien! Allez! Ah bah là, 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 pour du sucre, il y a du sucre. Qu'est-ce que tu viens foutre? Ah ben non, on peut pas, il y a de l'eau. Ça va, c'est normal, il y a de l'eau. Ah non, on peut pas non plus, il y a du tabac, c'est normal. Ça a beau être tabac, c'est normal, tout ça est normal. Ah voilà. Oh. Pauvre. Mais pourquoi est-ce qu'on garde des trucs comme ça, enfin? Non, c'est vrai, on peut pas. Ah, j'espère que je ne vous dérange pas. Hein. Mais pas du tout. Ah. Oh là là, je dirais dire. Oh, mais même au contraire. Parce que je vous apporte des billets pour le bal de la police, vous n'avez pas oublié que vendredi soir. Vous avez là les billets. Oui, deux billets, les 300 sont versés intégralement aux œuvres de charité de la police. Oui, ça, c'est toujours ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Vous avez la monnaie de Saint-Christ, s'il vous plaît. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Regardez là, ça me fait plaisir. Ah, monsieur Bennett, c'est pour vos œuvres. Monsieur Bennett. C'est pour vos œuvres. Vous voulez boire un petit verre en vitesse? Merci. Un petit whisky en vitesse. Ah, whisky, vous ne pensez pas? Pourquoi? Ben, je suis en service. Oh, oui, ça va encore. Oh, mais si c'est du café que je vois là, sur le plateau, alors là, je dirais pas non, hein. Ah non.
Ok, si c'est ce qui vous tente, hein. Oui. Vous voulez du café noir ou avec du lait? Avec du lait, s'il vous plaît. Et pas trop de sucre, hein. Ah, le brouillard commence à tomber, hein. On va casser les boxes de la vie. Savez-vous même, inspecteur? Ah, avec plaisir, madame Bennett va bien, oui? Oui, va bien, madame Bennett. Allô, tant mieux, allô, tant mieux. Et monsieur Michel, il va bien? Monsieur Michel, il va bien aussi, ça. Allô, tant mieux, allô, tant mieux. Oh pardon, excusez-moi, j'ai demandé du sucre, savez-vous, inspecteur. Merci. Vous en prenez? Oh, au revoir. Environ 300 personnes, hein. J'ai aimé pouvoir y aller, maître. Et nous aurions été enchantés, nous aussi, monsieur Bennett. Unique occasion pour nous de vous voir l'hôte de la police. Comment? Eh oui, pour nous, c'était la seule façon d'héberger monsieur Bennett. Hein? Ah. Mais sait-on jamais, hein. Peut-être qu'un jour, on vous mettra au violon. Et moi? Mais pourquoi moi? Ah, mais vous seriez surpris, monsieur Bennett, des cas qui peuvent se présenter à nous. Ah bon? Ah là là, des hommes, tenez, qui pendant 50 ans n'ont pas dévié du droit chemin, oh là, et puis brusquement... Oh, oh là là, mais comment est-ce possible? Ah, c'est quelque chose qu'on a là, je pense, hein, qui a toujours été là, dès lors un beau jour, le... Yeah. Ça éclate, quoi. Non mais rassurez-vous, hein, si votre tour vient, ce sera sûrement pour une raison tout à fait dérisoire, comme de... Comme quoi? Comme quoi? Oh, ben, je sais pas, ben, comme ne pas avoir respecté un passage clouté, par exemple. Ah. Bon, c'est pas tout ça, mais le devoir m'appelle, hein. Merci de votre hospitalité. Alors, maman, bonsoir, inspecteur. Ne me dites pas bonsoir, je reviens. Mais pourquoi faire? Pour vous rapporter votre monnaie. Mais j'en ai pas besoin, j'ai dit de garder la monnaie. Mais je lui ai dit, mais ça me fait plaisir, inspecteur. C'est pour vos hommes, inspecteur. Oh, la place du temps. Qui va revenir, celui-là? Oh, mais faut que je fasse la vaisselle, en plus. En plus de ça, mais non. Oh là là, quel chantier! Bon, alors, où est-ce que j'en étais, moi? Alors, oh,
De la rouille qu'il y a sur le grand rouleau. En réalité, c'est plus grave que de la rouille, hein. Une sorte d'accumulation de sable de gravier qui a adhéré et formé saillie sur la surface lisse du rouleau. Harrison a attiré mon attention là-dessus, prétend qu'il trace des sillons terribles. Tout ça pourrait la figure et des lentilles de Trichette, mais ça servira à ce prix comme rien. C'est Harrison qui frappe seulement le rouleau. Mais dites-moi, Bébête, vous respirez avec difficulté. Ah, vous trouvez, franchement? Et pourquoi? Oh, c'est une indigestion. Mais non, c'est pas une indigestion, c'est un bémodal. Mais surtout, ne les écoutez pas, ne savez absolument pas de quoi ils parlent, enfin. Vous avez bu, vous avez mangé quelque chose qui vous a pas réussi, c'est tout. Allez, à votre santé. Ça y est, voilà. Allez, le téléphone, Non, c'est la porte d'entrée, j'y vais. Qu'est-ce que vous dites? La porte d'entrée, j'y vais. Allez, avec plaisir, je sais que vous êtes là. Non. C'est à cause du brouillard anglais. Encore du brouillard? Très épaisse. Ah bon? Le chauffeur de taxi s'est trompé, m'a mené à la maison d'à côté. La maison d'à côté là? Mais à côté de la vôtre, là. Et vous y êtes entré? Ah non! Il y a la plaque de cuivre sur la porte indiquant docteur. Pedro, il n'a pas besoin de docteur, alors, mais voilà. Ravi de vous rencontrer, signor. Qui que vous soyez, ravi. C'est sacrifié, il n'est pas coupé. Bon, allez, quand il y a le barceau, on a mis du mal dessus. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des alloués à raconter ça? Ah, oui, oui, j'ai connu un garçon qui habitait là-bas. Volcador. Hein, qu'est-ce que vous dites? Volcador, c'est mon pays, signor. Là où le soleil est chaud. Non, c'était un autre nom, Votre ami, oui, il est dans le café ou le bouton. Il est quoi? Silence. Le bouton. Ah, c'est ça, oui. Bravo, les gars. À votre santé. Grâce. Dites-moi, cher ami. Vous pratiquez le cricket là-bas? Cricket là-bas? Le cricket. Ah, cricket, il y en a partout. Ah, vraiment? Toujours pour l'été. Oui, bien sûr, oui. Ils pendent le jeu sur les cannes à soupe. Ils font quoi? Alors, regarde, ça, d'ici, mais... La nuit. Donc, j'ai marqué la chérie pour la forêt des fromères. Allez, me voir, sujet. Je ne pense pas, cher ami, que nous parlons de la bête sur la terre. Non. Je pense que vous... Harrison, il a dit le gros rouleau. Mais quand a-t-il dit ça? Il a dit d'abord qu'il ne vous regardait pas du tout. Oui, mais quand a-t-il dit ça? Il a mis au téléphone. Oh, j'allais dire ce que je pense, moi, ça fait un an. Justement, il vous attend. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. J'allais dire ce que je pense. Je suis navré. Seigneur Juarez, mais... vraiment, je ne pensais pas que ce monsieur... Moi, ce monsieur, il est charmant. Ah, nous n'en avons pas beaucoup comme lui à Guadalcanal. Ah, vraiment, la chance. Pardon. Ah, bah...
Vous voulez, avez-vous un peu de café? Non, merci. Ici, il ne boit pas de café. Ici, vous ne pouvez pas vous le baiser? Vous ne buvez pas de café ici? Non, pas en Angleterre. Dans mon pays, ça nous vient du ciel, mais ici, c'est pas le cas. Hein. C'est pas possible. Mais pourquoi? Écoutez, je suis sûr, ce café est absolument exceptionnel, ce café. Alors, écoutez-vous. Hein? C'est absolument exceptionnel, vous allez voir. L'accepter. Avant que vous ne le quittiez, je voudrais vous dire quelque chose. Yeah, bon, j'ai connu. Oh, excusez-moi, vous savez, quand vous arriviez, j'ai eu tellement de malheur. Je voudrais que vous compreniez bien ce que vous avez l'intention de faire de moi. Hein. Parce que je vous ai déjà dit, vous savez, moi, je suis très très estimé dans cette ville. Hein. Ma famille m'adore, m'admire, et la révélation que vous vous proposez de faire associerait mon nom à celui d'une prostituée. Ça, je peux pas. J'ai beaucoup réfléchi, je peux pas envisager une chose pareille. Mais c'est pas nécessaire, signor. Vous me donnez l'argent, c'est tout. Mais je vous ai déjà dit que la somme que vous m'avez va me ruiner, bon, là. Bon, pour réunir cet argent, il faudrait que je vende ma maison, tout ce que je possède, que j'aille recommencer ma vie ailleurs. Ça a 60 ans, hein. Mais vous êtes encore très jeune. Oui. Mais vous avez sûrement l'argent. Non, je ne l'ai pas. Sinon, mais vous m'auriez pas demandé de venir ici. Oh. Donnez-moi l'argent. Je ne l'ai pas. Mais moi, je vous donne les dossiers de la police. Les seuls qui existent. Il y a les promesses. C'est votre dernier mot? Première et dernière. Alors. Seigneur, vous n'allez pas penser que je suis un homme mal élevé si je vous demande quelque chose. Non, pas. Qu'est-ce que vous voulez me demander? De boire le café le premier. Seigneur Juarez. Mais croyez-vous capable de vous empoisonner? Non! Ah bon? Ah bon? Hein? Pas plus que tous les autres qu'il y a pris sur les fêtes. Grâce. Vous prenez du sucre. Ah, s'il vous plaît. Encore. Encore. Oh, ben. Ce soir, signor, vous êtes un homme heureux. Vous faites à la signora et au chiquito un cadeau inestimable. Vous achetez pour eux un passé qu'ils ignoraient pour les rassurer un avenir tranquille. Ah, je me souviendrai d'avoir rencontré un homme qui mette ces sortes de choses au-dessus de son confort. Et je garderai de mon séjour dans votre pays un souvenir merveilleux. Cheers! Non, ne buvez pas, Seigneur Juarez. Okay, posez la tasse, posez. Oh, mais le café anglais, il n'est pas si mauvais que ça. C'est cette tasse, il y a le contient du poison. Poisson? Oui, il était dans le sucre. Pourquoi vous me le dites? Si j'ai pas bu, je peux pas. Je peux pas vous tuer. Mais vous avez essayé. Ah oui, mais je... Vous avez essayé de tuer Pedro Juarez, chef de la police de Guarcador, invité par votre gouvernement, en visite à votre propre maison. Mais j'ai pas pu, je... Pedro Juarez, ah. Avec qui le président Montes, le premier ministre Navarra, le général Fernandez, ils se sont battus à mort dans un défilé de montagne avec seulement 100 hommes et des mitrailleuses. Il va mourir empoisonné avec du sucre par un président d'un club ou du cricket. Je suis navré, c'est... Vous êtes un perfide avion, un britannique comme un couvert de sang. Non, mais... Allez, vamos briser, laissez-moi. Il emporte ce qu'on a bien dans les dossiers. Ils vont voir, ils vont vous soucier et ils vous prendront. Oh, et compte.
Tout le pays, il va voir le signor Bennett se prononcer au moulin des grandes. Et flite, flite, flite. Ça va, ben non. Non, non, allez, Seigneur Juarez, réveillez-vous, allez, c'est... Monsieur Pedro. Oh. Pedro. Réveillez-vous, je vous en supplie. Oh. Mais qu'est-ce que vous prenez? Non. Oh non. Allô, allô, ici. Allez, vous pouvez venir chez moi immédiatement. Un homme vient de se trouver mal, chez moi, oui. Tout de suite, hein, je vous attends. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Merci. Tout de suite, faut que ce soit justement le jour. Vous n'avez pas vraiment, vraiment, vraiment aussi vite. Oui, oh là, où est-il? Il est ici. Merci, merci d'être venu si vite. Je vous en prie, je vous en prie. Oh là là, j'en peux plus. Oh là là, quelle histoire. Ah, comme vous dites. Oh. Moi, je n'en ai plus. Bon. Eh bien, il ne dérangera plus personne. Ah bon? Il est mort? Non, non, bah non, non, bah non, je voulais, non, je voulais, je voulais, non, je voulais dire, il est mort. À tout jamais. Bon, alors, asseyez-vous, inspecteur. Docteur, écoutez, moi, je préfère tout expliquer, hein. C'est pas la peine. Si. Mais non, cet homme s'appelle Juarez. Il était ici en twist. Ah, vous êtes au courant? Eh oui, il m'a téléphoné de l'hôtel du Cheval Blanc il y a un quart d'heure. Il m'a dit qu'il souffrait d'une maladie de cœur, qu'il se sentait pas très bien et qu'il voulait me voir avant de retourner à Londres. Ah. P.F. Juarez, bah oui, c'est bien ça. Ah, le malheureux. Il a dû se tromper de maison dans l'obscurité. Sûrement, sûrement. Mais j'y pense, il m'a demandé, je suppose, quand vous lui avez ouvert la porte. Oui. Ah, ben voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'étais sur le point de montrer le chemin quand il s'est senti mal. Alors, vous lui avez demandé d'entrer. Voilà, alors j'ai osé sur le canapé, le temps de chercher un verre d'eau et de revenir, il était déjà dans cet état-là. Bien, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Ah, ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Hein? Oh, je vais appeler la police, ils vont venir avec une ambulance pour emmener le corps à la mort. Ah non, quelle horreur. Mais vous ne tracassez pas, mon vieux. À partir de maintenant, il est leur client. Vous avez joué au golf récemment? Très peu, chef. Ah, j'ai fait un 84 samedi dernier. Ah, ben, c'est nul. Qu'est-ce que vous entendez au juste par maintenant, il est leur client? Mais la police! Ils vont s'en charger, chercher qui il est, d'où il vient, ce qu'il faisait ici. Vous en faites pas, ils connaissent leur métier. Oh. Et cette sacoche leur apprendra tout ce qu'ils veulent savoir. Non, ne bougez pas, mais c'est pas la peine que tout le monde vienne ici. Non, c'est pas la peine. Non, non. Allez-y. Oui. Non, non, ah, oui, mais j'espère que je vous dérange pas. Oh, hein. Oh, le voilà. Voilà ce qu'on appelle du service rapide. C'est une simple visite. C'est ce que vous croyez, inspecteur. Regardez ceci-là. Mais qui est-ce? Oh, son nom est Juarez.
En réalité, ne va pas être ici, mais à côté, chez moi, oui, il voulait me voir, mais... Monsieur Bennett l'a fait entrer chez lui, ce qui fait qu'il est mort ici, au lieu de mourir là-bas. Et comment appelez-vous, J.U.A. 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 Si ça vous en dit pas, c'est ma femme en rentrant, ça tombe pas du tout à me trouver avec un cadavre. R.Z. Mais R.Z, oui. N'ayez pas de déplacer encore, monsieur Aurora. Mais bien sûr, monsieur Bennett, bien sûr. Vous avez examiné le cadavre, docteur? Évidemment, je suis responsable. Vous n'avez aucun doute sur les causes de la mort? Hélas, non, aucun, c'est le... Alors, si vous voulez bien m'aider, parce que... Tiens, on va le mettre dans la cuisine, hein, il sera bien, là. Ah bon? Hey. Oh, bah. C'est pas évident, ça. Hein. Eh ben, dis donc, c'est déjà un meuble, hein. J'arrête. Bon, vous y êtes, là? Non, je suis pas mon frère. Allez, vous y êtes. Eh non, j'ai pas l'habitude, moi. Allez, un, deux, trois. Hey. Et si vous voulez mon avis, faut pas traîner en route, hein. Voilà, celle qui m'intéresse. Je ne peux rien vous dire d'autre, inspecteur. Mais... sauf que cet homme est mort et que la cause de sa mort est un arrêt du cœur. J'appelle l'ambulance. Oui, merci, s'il vous plaît. Et voilà une chose bien désagréable, monsieur Bennett. Très désagréable, en effet. Oui. Quand avez-vous ouvert au seigneur... Ouvert à qui, vous dites? À l'homme qu'on a plongé là, dans la cuisine. Ah, celui-là, alors, bah, je savais bien qu'il vous le dire. Pourquoi pas me le dire? Écoutez, j'ai ouvert ma porte à tellement de gens pendant toute la soirée que... toute la soirée. Oh là là, ça a été difficile, les nazaires ont pu d'abord vous, puis le colonel Barceau, puis le seigneur Juarez, puis le docteur Lowe. Pis encore vous! Ah, ah. Et pouvez-vous tout de même vous souvenir à peu près du moment où vous avez ouvert? Non, monsieur, pas à peu près du moment où vous avez ouvert, monsieur. Mais je me souviens d'autre chose. Est-ce que vous avez ma monnaie, inspecteur? Elle est là dans ma poche, hein. Très bien. Messieurs, l'air d'être vous c'est le programme à faire. Ah, volontiers. Très bien. Pas pour moi, merci. Non. Voilà votre monnaie, monsieur Bennett. Merci. C'est qu'il faut les tenir à l'œil, c'est fonctionné. N'est-ce pas, docteur Lowe? Ah bon? Allez, j'oublie, on a eu aussi deux filles. Des filles? Oui. Où ça? Au téléphone. Comment ça? Quel genre de filles? D'après, j'ai compris, assez mal élevé. Alors, monsieur Bennett, vous voulez dire que des filles vous ont téléphoné? Non, c'est plutôt nous qui les avons appelées. Enfin, surtout Barceau. Hein, oh, Barceau! Ah, ben, c'est bien, c'est empêché, monsieur. Pour quelle raison on les appelait-il? Eh ben, pour les prier de ne pas être impolis. Ah, oh, voilà, elles étaient impolies. Non, c'est que, de leur côté, elles pensaient que Barceau l'était avec elle, oui. Bon, monsieur Bennett, pourquoi le colonel Barceau est-il venu chez vous? Mais parce que il croyait que je continuais à lui parler. Pardon? Tu parlais plus du tout, moi j'étais déjà appelé ce côté depuis longtemps. Mais oui, inspecteur, je crois que je comprends. Ah ben, il comprend, lui. Le colonel Barceau est venu ici parce qu'il avait été coupé alors qu'il vous téléphonait. Voilà. Et quand il est arrivé, il s'est plaint, mademoiselle, du téléphone. Voilà, c'est exactement ça. Il se faisait que son mal élevé, c'est bonne femme, le téléphone. Oui, ça, nous avons compris. Ah, mais naturellement, le colonel Barceau est arrivé avant le seigneur... Avant ou après, hein, c'est aussi valable, il paraît. Non, mais ça pouvait pas être après. Pourquoi ça pouvait pas? Bah parce que le seigneur Rambral aurait déjà été mort. Ah bah ah, oui. Bah ça va. Bah, naturellement, le colonel Barceau est parti également avant l'arrivée du seigneur... Non. Ils ont parlé cricket ensemble. Mais monsieur Bennett, vous m'avez dit que votre visiteur s'était évanoui au moment précis de son arrivée. Ça, c'est exact. Alors, comment a-t-il pu parler cricket avec le colonel Barceau? Il a pas pu. Non, écoutez, monsieur Bennett, ou bien le colonel Barceau, le seigneur Wallace, on parle de cricket ensemble, ou bien ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait et ils l'ont pas fait. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu que les Barceau parlent cricket et le seigneur Juarez insecte. Je crois, monsieur Bennett, que vous êtes un peu fatigué. Ah, oh, bah, j'ai de bonnes raisons. Là, vous croyez pas?
Ah, c'est l'ambulance. Ne bougez pas, je vais ouvrir la porte. Vous faites ça pour moi? Eh oui, vous faites beaucoup. Oh, bah, dis, je te prends un petit whisky, moi, quand même. Inspecteur, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Quoi, non? Je crois bien que c'est la première fois de ma vie ce soir que je bois plus d'un verre pendant toute une soirée. Et ce soir, combien l'avez-vous bu? Oh là là, c'est tout, je crois bien, hein. Vous croyez pas que vous feriez mieux de vous arrêter, non? Si, mais j'ai pas d'humeur à le faire. Si Madame Bennett vous voyait... Ah, Madame Bennett. Voulez-vous que je dise, inspecteur, la seconde chose que j'ai faite, pour la première fois de ma vie ce soir... Quoi donc? J'ai été désagréable avec Madame Bennett. Eh ben, c'est ce qui peut s'appeler une soirée complète. Ah, c'est incomplète, hein. Une soirée, d'ailleurs, dont je suis le seul à pouvoir apprécier la saveur, vous voyez. Oh, je suis désolé, Monsieur Bennett, je ne savais pas que vous aviez des visites. Mon avion n'a pas pu décoller à cause du brouillard. Alors, je suis revenu pour... Oh là 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 là. Wokingham, lundi soir, 18h30. Non, non, écoute, je peux pas parler plus fort. Je sais pas exactement si je suis seul ou non. Non, voilà, je voulais simplement dire de pas te tracasser. Mais te tracasse pas, ma chérie. Non, c'est pas de ta faute. Mais ça arrive, tu sais. Oui, en tout cas, je voulais dire que c'était une merveilleuse journée. Oui, j'aimerais que tout recommence encore. Voilà quelqu'un, il faut que je raccroche. Écoute, je vais tâcher de faire un saut pour te voir si je peux y arriver, hein. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? Le journal. Tout y est, c'est épouvantable. Bah tout quoi, maman? Bah tu n'as tout de même pas oublié où j'ai passé la matinée. L'audience au tribunal. Ah, oui, alors comment ça a marché? Bah je vais te le lire. Madame Andrew Bennett, amende et blâme. Madame Andrew Bennett, lézard, pour Lovett Road, a été condamnée à payer une amende plus les dépens par le tribunal de simple police ce matin pour ne pas avoir respecté la priorité des piétons sur un passage clouté et avoir mis en danger la vie d'une mère et de son enfant. Madame Bennett fut sévèrement réprimandée par le magistrat, le major Roland Spence, qui a en outre déclaré que des conducteurs de cette espèce, totalement inconscients, étaient une menace pour la sécurité publique. Si pareil incident devait se renouveler, il n'hésiterait pas à supprimer le permis de conduire de Madame Bennett. Le tout illustré d'une photographie de moi, inaugurant une vente de charité pendant un orage, il y a 5 ans. Pauvre maman! Ah non, mais c'est un outrage! C'est une diffamation, je ne sais pas ce que c'est. Comment un individu pareil peut-il être magistrat, nous sévèrement réprimandé par une demi-portion comme ce type? Et tout ça parce qu'il avait essayé de me faire la cour au bal du club de golf et que je l'envoyais promener. Oh, mais quel rapport ça a-t-il avec ton histoire? Ah non, mais tous les rapports. C'est bien son genre mesquin, hypocrite. Il veut-il renouer avec moi? Une menace pour la sécurité publique! Ah, quand il a dit ça, de sa petite voix pointue, avec ses petits yeux gris et chassieux, j'ai eu envie de lui crier mon mépris ainsi qu'à tout le tribunal. Et c'est bien ce que je ferai quand je le reverrai. Mais maman! Et tu ne connais pas sa femme, donc! Et ses deux filles, plates, là, comme des punaises. Ce sera l'amende la plus chère de sa vie. Crois-moi, fais-moi confiance. Et les dépens? Les dépenses, c'est pas assez de vous escroquer. Faut encore par-dessus le marché payer les frais pour vous les soutirer. Bon, écoute, maman, calme-toi. Non, ça je ne me calmerai plus jamais. Est-ce que tu te rends compte que mon nom est imprimé dans ce journal à 4 reprises et une fois en majuscule? Est-ce que tu te rends compte que ce journal va être lu ce soir dans tous les foyers de Wokingham et qu'une centaine là, de bonnes amies à moi vont éplucher chaque ligne? Est-ce que tu as pensé une seconde à ce que ton père dira quand il verra ça? Après le premier choc, bien sûr. Et alors? Ben, je suis désolé. Ah, tu es désolé? Vraiment, là, c'est tout ce que ça te fait? Oh, mais écoute, maman, j'ai des ennuis, moi aussi, je peux pas... Ta pauvre mère vient d'être crucifiée sur la place publique, et toi, tu oses me parler de tes ennuis? D'accord, n'en parlons pas. Magnanime. Non, mais ça n'est pas grave. Ah, ben merci. Ah, merci. Ça va simplement donner un second choc à papa. Mais t'as la priorité, hein. Bon, alors qu'est-ce que t'as fait?
Ben voilà, j'emmenais une fille déjeuner avec moi aujourd'hui. Ah, c'est pas un crime, ça. On s'est un peu beurré. Ah, vous vous êtes quoi? Cuité, on a pris une cuite, quoi, maman. À l'heure du déjeuner? Oui, ben ça peut arriver, hein. On a commencé par prendre quelques verres dans un bistrot, puis on a continué par un très bon déjeuner chez Mario, et ça s'est terminé dans un escalier roulant à la gare. Et qui est cette fille? Violette Hodge. Connais pas. Ça m'aurait étonné, les barmaids au lion noir. Non, vraiment, Michel, est-ce qu'il n'y a pas assez de jeunes filles à Oukenham? Non. Ah, écoute, maman, je suis sortie avec cette fille. Bon, je la trouve jolie et charmante, et si j'en ai encore l'occasion, je recommencerai, hein. Voilà. Ah, mais papa et toi, vous n'en auriez jamais rien su si nous n'étions pas allés... À la gare. Oui, voilà. Je l'ai défié la course jusqu'au premier wagon, dont la porte serait ouverte. On a couru comme des dératés. On est arrivé ex aequo dans le compartiment en s'étalant sur les jambes d'un vieux monsieur sur lesquels on est resté là un bon moment en riant comme des fous. On a entendu le vieux rouspéter nous dire des choses fort désagréables. Et plus il en disait, plus on riait. Et le plus drôle, ce fut quand on a balancé son chapeau et sa serviette par la fenêtre. Bon, seulement quand il est revenu près de la fenêtre, après avoir récupéré ses affaires, j'ai vu qu'il s'agissait de... De qui? Le colonel Barstow. Et il vient voir papa ce soir. Je pense qu'il vaudrait mieux que ton père ne rentre pas à la maison ce soir. Oh, si seulement il ne voyait pas ce... Mais pourquoi le verrait-il? Il ne l'achète jamais. Mais c'est vrai? Tu es très réconfortant, Michel. Ah oui? Ah! Évidemment, il peut en entendre parler plus tard. Ah oui, je ne serai plus en manchette. Le temps travaillera en ma faveur. Oui, mais en tout cas, il ne travaille pas la mienne. Ah, ça. Alors bon. Alors ça, c'est sûrement Barstow. Ouh loulou. Oh, la dernière fois que je l'ai vu, on lui mordait les chevilles. Tu m'excuseras, mais... Je crois que c'est plus ça. Bon, fais de ton mieux, maman. Je sais pas. Tiens, dis-lui que la fille, il l'a trouvé sexy. Moi, je veux bien. Oh! Mais je croyais en Afrique! En réalité, je ne devrais pas y être, mais mon avion n'a pas pu décoller à cause du brouillard. Oh, vous voulez voir quelque chose? Non, merci. Je suis venu pour vous montrer le journal du soir. Tout y est. Je suis au courant. Il donne même les noms. Ah oui, et en lettres majuscules, madame Andrew Bennett. Ah non, pas le vôtre. Le nom de l'homme qui a eu une crise cardiaque la nuit dernière ici. Ah oui, celui-là. Mais c'est toi, je te croyais en Afrique. Nous avons déjà parlé de cela. Son avion n'a pas pu décoller à cause du brouillard. Hier soir, je suis revenu ici, comme par un fait exprès, aux environs de 9h, juste après que ce pauvre type ait eu son attaque. Bon, monsieur Craig, nous savons déjà ça aussi. C'est réellement tragique. Et je suis désolée pour cet homme, et pour ses parents, et pour ses enfants, s'il en a. Puis il y a autre chose que cette histoire dans ce journal, et moi, c'est ça qui me tracasse. Autre chose? J'ai été condamnée à payer une amende en qualité d'égorgeuse. Et déshonorée comme représentante un danger pour la sécurité publique. Le doigt sorti d'une photographie de moi qui pourrait faire croire tout ça. Vous dites, excusez-moi si je ne suis pas son dessus-dessous pour cet étranger qui a pris notre maison, celle du docteur. Tu as fait quoi? Mais oui, mais c'est normal, nous sommes la porte à côté. Apparemment, l'homme aurait téléphoné au docteur Locke pour avoir un rendez-vous, en lui disant qu'il serait là un quart d'heure plus tard. Seulement, il a atterri ici, à la place. Il est mort sur notre paillasson et papa a appelé le docteur. L'histoire la plus simple du monde. Bon, il ne faut surtout pas que mon mari voie ce journal. Je vais ranger le mien dans un endroit où il n'aura pas idée de regarder. Si vous avez l'intention de rester ici, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de cacher le vôtre. Vous m'écoutez, monsieur Greg? Pardon? Non, vous écoutez ce que je vous dis, là, c'est... Oui. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Ah, c'est incroyable, personne ne m'écoute ce soir. Où est monsieur Bennett? Où est-il? Oui. Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire? J'aimerais le savoir. Il est allé travailler. Travailler? Ah ben vous savez, ça dure depuis 34 ans, hein, tous les jours par-dessus le marché. Mais vous l'attendez ce soir? Ah oui, par le train de 6h05, qu'il prend tous les jours depuis 34 ans. Il va venir, ici? Eh, il habite ici, mon vieux, hein. Bon, dans 5 minutes, il entrera par cette porte. Et fera les mêmes choses qu'il a l'habitude de faire, comme je vous le disais vendredi soir. Coucou. Et pour finir, il rangera ses pipes, vous voyez là-bas, hop, dans le porte-pipe. Aïe, mais c'est... Oh, ben j'en suis très heureux. Ah oui? Oui, j'aimerais l'attendre et le voir faire. Tu vas bien, mon vieux, oui? Parfaitement bien. En tout cas, moi je prends votre journal. Y a-t-il encore quelqu'un qui aurait le Wokenham Sentry? Madame Bennett, je ne comprends pas très bien. Ah non, mais n'essayez pas. Ce qu'il faut trouver, c'est un endroit où il ne pensera pas à regarder. Ce tiroir fera parfaitement l'affaire. Il ne doit même pas savoir qu'il existe. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as ouvert ce tiroir, Michel? Ah non! Quelqu'un l'a fait, alors.
Mais c'est la bouteille que j'ai rapportée vendredi. C'est bien ce que je pensais. Je me souviens vaguement que tu avais rapporté quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Du poison. Bon, j'admets. J'admets qu'il ait pu concevoir l'idée de mettre cette bouteille là-dedans. Mais pourquoi? Pour l'amour du ciel, y a-t-il également rangé le sucrier? Ah, mais c'est peut-être la femme de ménage, hein? Voilà, ça va faire comme ça pour ne pas perdre son temps à jouer cache-cache avec des sucriers, non? C'est sûrement ton père qui l'a mis là. Ça m'est très pénible, Michel. J'ai peur que ton père ne soit en train de faire un complexe de sucre. Un quoi? Écoutez, c'est vrai, je vous fais juge. Hier soir, après avoir demandé du café après le dîner, pour la première fois depuis 25 ans, et avec du sucre, alors qu'il n'en prend jamais, je vais lui chercher un morceau. Et il me réclame le sucrier. Un homme tout seul, pourquoi le sucrier? Bon, ça bon, me dis-je, il va faire des enfantillages, ayons un peu d'humour, et taquinons-le. Je vais chercher un sucrier avec du sucre brun. Et qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il en veut du blanc. Il voulait absolument qu'il soit blanc. Aucune autre couleur n'aurait fait son affaire. Je lui demande en quoi la couleur du sucre peut-elle bien l'intéresser. Et le voilà désagréable. C'est la première fois depuis notre mariage qu'il me dit des mots désobligeants. Et c'est à propos de la couleur du sucre. Il avait certainement une raison. Ah, mais oui, oui, oui. Il a déclaré que l'autre ressemblait à des sels pour le bain. Eh bien voilà, il essayait d'être... drôle. Alors attendez. Il devient de plus en plus drôle. À peine avais-je tourné les talons qu'il se précipite dans la cuisine et revient avec une seconde tasse. Tout ça parce qu'il avait vu une fêlure qui n'existait pas d'ailleurs. Et avec un sucrier sans sucre dedans. Bon, ce matin, il met le sucrier dans un tiroir secret avec l'intention, mais alors là je suppose, de descendre subrepticement en pyjama pour jouer avec quand tout le monde dort. Devenir un peu cinglé, c'est peut-être ce qui nous attend tous, Monsieur Gregg. Et si cela doit arriver, jouer avec des sucriers vides est bien inoffensif, n'est-ce pas? Mais tout de même... Ah! Excusez-moi, voulez-vous? Pourquoi disparaît-il? Je ne veux pas rencontrer la personne qui va entrer. Mais pourquoi pas? Parce qu'il m'a mordu les chevilles à la gare, en compagnie d'une fille du nom de Violet Hodge. Et si vous conservez encore des doutes sur l'état mental de notre famille, écrivez-nous! Excusez-moi. Donnez-moi un fusil! J'espère que je ne vous dérange pas, hein. Oh, au contraire, inspecteur, je suis ravie de vous voir. Cela me donne l'occasion de vous parler de ma nouvelle passion pour la police. À partir de maintenant, j'ai décidé de penser à elle avec tendresse. Aussi bien à mon petit déjeuner, qu'à mon thé, qu'à mon goûter, qu'à mon dîner. Madame Bennett... Dès mon réveil, mes pensées seront pour des uniformes bleus, avec des boutons argent, et pour cet original couvre-chef qui est si séduisant. Surtout quand il se trouve dans la main gauche d'un jeune représentant de la police en train de témoigner contre moi. Vous voulez parler du gardien de la paix Waters? Oui. Ce svelte jeune homme, dont la pomme d'Adam monte et descend, là, à chaque mensonge qu'il profère contre une femme sans défense. Oui, bah c'est un policier consciencieux, il faisait son devoir. Eh bien, moi, je suis une femme, je n'ai pas de conscience, et je vais le réduire en miettes. Alors là, Madame Bennett, vous n'êtes pas raisonnable. Tenez, voulez-vous plutôt jeter un œil sur l'article du journal? Écoutez, j'ai bien voulu, j'ai lu, et maintenant donne-moi ce journal, je vous prie. Oh, mais je vous croyais en Afrique, vous, oh, je non. Oh non, oh, vous n'allez pas recommencer votre histoire. Enfin, mon mari va arriver d'un instant à l'autre, et ignore absolument tout, des ravages que la police a fait dans ma vie. Bonjour tout le monde! Michel veut te faire la bonté de rester dans cette maison, bien en sortir, mais alors décide-toi. Mais maman, j'ai cru que l'inspecteur était Monsieur Barstow. Vous avez cru quoi? Si personne n'y voit d'objection... Oh! Eh ben le voilà. Mais le voilà quoi? Le bocal. Mais quel bocal? Le bocal qui a reçu en m'offrant du café pour ton mari a transvasé dans le sucrier. Il a fait quoi? Oh, mais sur le coup, ça m'a paru bizarre, hein? Puis après, je me suis pensé que ça devait être du glucose. Seulement, en y repensant ce matin, je me suis demandé comment on pouvait supposer qu'un homme comme moi ait besoin de glucose. Alors, je me suis dit que ça devait pas être vraiment du glucose. Non, 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 ça n'était pas du glucose. Ça n'était pas du glucose. Eh non. Alors, qu'est-ce que c'était? Du poison pour tuer les mauvaises herbes. Bonsoir. Oh. Et c'est un véritable comité de réception, en quel honneur. Andrew, je ne sais pas pourquoi l'inspecteur est venu, mais je sais maintenant pourquoi il reste. Et pourquoi donc? Pour te demander la raison pour laquelle tu as mis de la mort aux herbes dans son café. C'est une question raisonnable. Monsieur Bennett, hier soir, en m'offrant du café, vous avez rempli le sucrier avec le contenu de ce bocal.
Et votre fils vient de m'apprendre qu'il contenait de la mort aux herbes. Mon fils vous a dit ça? Ah oui. Alors, inspecteur, permettez-moi deux observations. Premièrement, pour un homme qui a eu de la mort aux herbes dans son café, je vous trouve dans une forme exceptionnelle. Deuxièmement, les résultats que je constate sur vous sont pas très encourageants, hein, quant à la destruction de mes mauvaises herbes, toi. Mais papa, c'est la bouteille que mon ami des laboratoires m'a donnée. Ah bah, ton ami des laboratoires avait le sens de l'humour. Hein. Quoi, tu veux dire qu'il s'est foutu de moi? Bah écoute. Mais papa, c'est pas possible. Ils ont tué un rat avec cette poudre juste avant mon arrivée. C'est un poison. Arrête! Le rat était mort avant, hein? Et monsieur Gregg, pourquoi reste-t-il ici, lui? Pour vous dire au revoir encore une fois avant de partir. Eh ben, au revoir, monsieur Gregg. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bah, ton exemplaire du journal local, ma chérie. Et pourquoi l'as-tu acheté? Mais parce qu'il paraît qu'il y a dedans quelque chose de très très important. Chose que je m'attends pas à trouver, paraît-il, en bas de la page 4, d'après ce que m'a dit le major Harding. Ah bah en effet. Ah bah en effet. Comment faire pousser des melons sous cloche? Cantalouse et melon tigré. Mais c'est passionnant, montre-moi ça. Non bah laisse-moi lire. Hum hum. Il y a autre chose en page 4. Un article sur ce qui s'est passé ici la nuit dernière, avec des détails et puis aussi le nom de l'homme. Son nom? Oui, monsieur Bennett, je me suis tracassé toute la journée. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom-là, mais... je n'arrive pas à me rappeler où. En bas de la page à gauche. Non, dans mon journal, il n'y a rien. Ah, ça doit être le docteur Locke. Je lui ai demandé de venir ici. Ben pourquoi? Parce que j'aimerais l'interroger sur ce qui s'est passé ici la nuit dernière. Mais comment donc, Michel, fait d'entrer le docteur Locke? Puis-je lire les articles sur les melons? Est-ce vraiment le moment, mon chéri? Comment tu réponds à l'inspecteur? Non, mais l'inspecteur n'a pas l'intention de me retenir longtemps, n'est-ce pas, inspecteur? Oh, madame Bennett, alors, ils vous ont relâché? Ah, d'accord. Relâché, d'où? Mais c'est la rumeur publique, cher ami. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Non, mais permettez. La raison pour laquelle on a vu Madame Bennett sortir du commissariat n'est pas forcément en rapport avec la raison pour laquelle on a vu Madame Bennett entrer. Mais ça va où, ça? Elle en sortait avec deux billets pour le bal de la police. Le bal de la police? Voilà, qui aura lieu le 17 novembre. Mais oui. Docteur Locke, je vois pas bien ce qu'il y a d'amusant dans le fait d'acheter deux billets pour un bal. Certainement. Hein, j'en ai acheté deux moi-même, d'ailleurs. Vous en avez acheté deux aussi? Oui, de toute évidence, ma femme en a acheté deux en plus. Oh, mais alors ce sera une grande sortie. Je sais pas, c'était sûrement pour mon fils et... Michel, vous allez au bal de la police? Tiens, où est-il passé? Oh, je crois qu'il est sorti quand vous êtes entré. D'ailleurs, si vous me le permettez... Non, un instant, monsieur Gregg, Sylvia Q a bien été à la police pour acheter des billets. Mais pour quelle autre raison irais-je là-bas? Ah, pour quelle autre raison, en effet. Et ces billets étaient bien pour Michel et une jeune fille. Oui. À propos, je connais cette jeune fille. Non, je crois pas, non. Tu crois pas, non? Comment s'appelle-t-elle? Violette Hodge. Bon, alors, à propos des questions que je voulais vous poser, là, au sujet... Mais, je connais cette fille. Vous la connaissez, vous? Ouh! Non, revenons-en à hier soir, hein? Oui, revenons-en. Oui, voilà. Alors, le seigneur Wallace avait laissé une note chez sa concierge, l'informant de son emploi du temps. Alors, à 16h, il allait à la banque. À 17h, il allait voir le docteur Marcus Wright. Et ensuite, quelque part, aux environs de Londres, sa concierge devait appeler la police s'il n'était pas rentré chez lui à 22h. Précaution bien naturelle, inspecteur, quand on a une maladie de cœur. Faut penser à tout, en effet. N'est-ce pas? J'aimerais vraiment que vous me permettiez... Monsieur Gregg, restez. Je n'ai rien à voir là-dedans. Vous étiez ici hier soir. Toute personne présente dans cette maison hier soir peut être utile. Ne serait-ce que comme témoin. Alors là, inspecteur, je comprends pas très bien. Hein. Ah ben, figurez-vous qu'après avoir reçu le message de la concierge de cet homme, la police s'est livrée à une petite enquête. Et cette enquête a révélé des circonstances étranges. Bah, je suis sûr qu'avec l'aide des personnes présentes, tout va s'éclaircir. Hein, docteur Lecoq m'a dit que le sieur Rollès vous avait téléphoné de l'hôtel du Cheval Blanc. Ah oui, en effet, oui. Oh, vous êtes sûr de ça? Mais tout à fait sûr, pourquoi? Parce que le téléphone du Cheval Blanc était en dérangement toute la soirée. Comment? J'ai vérifié. Personne n'a pu téléphoner du Cheval Blanc entre 19h et 22h. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Inspecteur, l'homme a très bien pu se tromper au sujet du nom de l'hôtel d'où il téléphonait. Hein. L'homme, comme vous dites, était un étranger. Ah bah. Comment aurait-il pu donner le nom d'un hôtel dont il n'aurait jamais entendu parler? Mais en tout cas, il m'a bien dit qu'il appelait de l'hôtel du Cheval Blanc. Alors,
Il a menti. Menti? Et pourquoi aurait-il menti? Tout ce qu'il voulait, c'était voir un médecin. Je vous parlais tout à l'heure de circonstances étranges. En voilà une. Bon, mais si on buvait un petit whisky, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est une excellente idée, ça, oui. Ce qui serait bien plus étrange encore, c'est qu'il n'ait pas pu téléphoner du tout. Bah, il n'a pas eu le temps matériel de le faire. J'ai interrogé le chauffeur de taxi, il est sorti de la gare avec les passagers du train de 19h50 et il a appelé tout de suite le premier taxi. Mais enfin, voyons, inspecteur, ce coup de téléphone n'a pas pu se dissoudre dans l'atmosphère. Quelqu'un m'a téléphoné. À quelle heure? À 19h45. Le seigneur Juarez était dans le train. Et comment pouvez-vous savoir où il était? Comment savez-vous, par exemple, qu'il n'est pas arrivé par le train d'avant et qu'il n'a pas téléphoné d'une cabine sur le quai? Le train d'avant est arrivé à 19h20. Pourquoi s'est-il resté une demi-heure sur le quai, hein? Hein? Mais pourquoi nous demander ça à nous, inspecteur? Nous ne savons absolument rien des agissements de cet homme. D'ailleurs, il aurait très bien pu arriver par le train de l'après-midi ou du matin, faire ce qu'il avait à faire ici, et puis retourner à la gare pour attraper le train qui le ramenait à Londres. Alors, il est passé sur le quai, il s'est senti mal, il a appelé le docteur Lope depuis la cabine qui est sur le quai, et puis il a repassé le portillon avec les voyageurs qui descendaient du train de 19h50. Et puis il a pris le taxi. Et voilà, merci. Ah oui. Ah oui, alors ça pourrait cadrer en effet avec ce que nous savons, monsieur Bennett. Alors, vous voyez bien, inspecteur? Ben oui, seulement il y a un petit quelque chose qui ne cadre pas. Et quoi donc? Sa concierge nous a affirmé qu'il n'avait pas quitté son appartement de Londres avant 19h. Il n'a donc pas pu arriver ici avant 19h50. Oui. Bah, on va trouver autre chose. Monsieur Craig, vous qui écrivez des romans policiers, vous n'avez pas une petite idée? Moi? Oui, vous? Non, parce que on a un problème, là. Un homme a téléphoné d'un endroit dont on ne pouvait pas téléphoner à ce moment-là, à une heure à laquelle il lui était matériellement impossible de le faire. Oui? Oui? Oui. Oui. Ah, oui, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Oui. Oui, bah oui. Vous voyez pas de solution, là? Si. Alors, quelle est-elle? Je peux peut-être répondre à la place de Monsieur Gregg. C'est pas le seigneur Juarez qui a téléphoné. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, là, Oh, docteur Locke, moi, j'ai pas l'esprit compliqué. Hein. Quelqu'un a téléphoné, ça ne pouvait pas être le seigneur Juarez, donc c'était quelqu'un d'autre. Ah oui, en effet, vous n'avez pas l'esprit compliqué, inspecteur. Mais il n'est pas logique, ça ne pouvait être que le seigneur Juarez. Et pourquoi? Mais parce que l'homme qui a téléphoné a pris rendez-vous pour 8 heures. Le seigneur Juarez était bien à son rendez-vous de 8 heures. Pas pour moi, merci. Votre esprit, monsieur Bennett, est peut-être logique. Seulement, voilà. Vous ne savez pas tout. Le seigneur Juarez n'a pas pu se rendre à son rendez-vous. C'est pas l'adresse du docteur Locke qu'il a donnée au chauffeur. Et alors laquelle? La vôtre. Alors là, inspecteur, je dois dire que votre histoire commence à m'amuser. Voilà un type qui donne un coup de téléphone, qui ne pouvait pas donner, qui prend un rendez-vous auquel il ne va pas. Et en plus, qui se fait conduire chez quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler. Alors là, nous donnons notre langue au chat, inspecteur. Quelle est la solution? Il n'y a pas de solution, docteur Locke. Il y a seulement une autre circonstance étrange. Ah oui, ben je vous en donne une. Tiens, moi aussi, pour grossir votre tas. Quand ce type qui ne pouvait pas téléphoner m'a téléphoné, il a commencé à parler avec un accent normal. Et puis, il a terminé avec un accent hispano-américain très prononcé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai essayé de vous le démontrer. Hein. Alors, docteur Locke, je vous appelle l'hôtel du Cheval Blanc. Mon nom est Pedro Juarez. Mon cœur, il n'est pas très bon. Je me sens pas bien du tout. Donc, alors, excusez-moi, adios. Alors, maintenant, faites votre choix. Moi, j'étais en train de me demander si j'allais le faire payer en livres ou en pesetas. Quand j'en suis à un second appel. Un second appel? Ah oui, 5 minutes plus tard. Du même homme? C'est possible. Qu'est-ce qu'il disait? Rien, on aurait dit qu'il avait avalé un siphon. Ah. Ah mais oui, il soupirait, il haletait. On avait l'impression qu'il crachotait partout. Et qu'il était sur le point de mourir, quand tout à coup il m'a dit que tout allait bien, qu'il n'avait plus besoin de moi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, souvent on me tire de mon lit à toute heure de la nuit pour des prunes, alors je l'ai béni.
Et vous avez reçu un troisième appel téléphonique. Ah oui, mais cette fois, c'était M. Bennett. Vous annonçant que quelqu'un était mort chez lui. Mais sur cela, d'accord. Et croyez-moi, inspecteur, quelles que soient les choses que M. Royce n'a pas faites cette nuit-là, et quels que soient les endroits où il ne soit pas allé, à 20h15, il était bel et bien allongé, là, devant ce canapé, tout à fait mort. Ah, alors ça, c'est la seule chose que je crois vraiment à propos d'hier soir. Oh là là, dites donc, les amis, vous êtes au courant? De quoi? Ce garçon qui était ici hier soir, cet Américain du Sud. Vous savez quelque chose à son sujet? Il est mort. C'est écrit là, dans le journal. Donnez-moi ça. C'est arrivé chez quelqu'un. Ici même, dans cette maison. Qu'est-ce que vous dites? Dans cette pièce. Grand Dieu, j'étais ici, moi, en train de lui parler. Il se portait bien, oui? Ah oui, il se portait comme un charme. J'étais d'ailleurs navré de le quitter. Seulement Bennett m'a dit qu'Harrison me demandait d'urgence. Je suis parti chez lui. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit qu'il n'avait jamais rien demandé de pareil. Au fait, vous êtes au courant de ça, M. Bennett? Vous saviez ça, M. Bennett? Vous savez quoi, hein? Harrison n'avait pas demandé à voir le colonel Barstow? À voir Barstow, quand ça? Quand lui, vous lui avez dit qu'il l'attendait. Mais qui est-ce qui vous a dit ça? Le colonel Barstow. Bon, vous savez bien qu'il est dur d'ordre. Enfin, la question n'est pas là. Si, tout de même un peu. J'entends plus tout à fait aussi bien que j'entendais. Non, je ne peux pas lui faire une enquête. Ni que je voyais, d'ailleurs. Tenez, par exemple, cet après-midi, j'ai été assailli, moi, à la gare de Waterloo. Mais j'ai rien là, ou quoi? Une jeune fille. Ils m'ont fait sauter. Colonel Barstow. Complètement, pratiquement piétiné. Je ne connaissais pas la jeune fille. Dommage, d'ailleurs, dommage. Colonel Barstow. Vous étiez en train de parler du seigneur Juarez? Eh oui, bien sûr. Un garçon charmant. J'étais enchanté que Bennett m'ait présenté. Vous ai présenté? Oui, il se connaissait de l'Amérique du Sud. J'aimerais parler avec Monsieur Bennett, seul à seul. Je passe devant chez vous, colonel. Je vous dépose. Mais j'étais au milieu d'une histoire. Ah, j'aimerais bien connaître la fin, justement. Oui, tiens, moi aussi. Monsieur Gregg. Oui. Restez. Moi? Je crois que vous devez, monsieur Gregg. Mais pourquoi? Mais vous écrivez des romans policiers et voilà de la graine. Et j'ai l'impression que l'inspecteur sent venir la conclusion. Bonsoir, Bennett. Un inspecteur, qu'est-ce qu'il fait ici? Je vais vous expliquer. Voilà, inspecteur, quelle est la conclusion? Demandez-la. À Monsieur Gregg? Pourquoi à Monsieur Gregg? Parce que, à chaque étape de cette soirée, je l'ai senti de plus en plus mal à l'aise. Le nom du cadavre vous a beaucoup tracassé, hein, Monsieur Gregg? Pouvez-vous le situer maintenant? Le pouvez-vous? Oui. Alors, qui était-ce? L'homme qui est venu ici vendredi. Vendredi? Oui, juste après votre départ. Que voulait-il? Je n'en sais rien, moi je suis parti dès que... Dès que quoi? Mais ça n'a aucun intérêt. Permettez-moi d'en être au soin de juge. Mais demandez à Monsieur Bennett pourquoi je suis venu le voir. Eh ben voilà, c'est ça, pour quelle raison? Asseyez-vous là. Pour lire un roman que j'avais écrit. Quel genre de roman? Un roman policier. Quelle en était l'histoire? Oh, mais inspecteur, mais quel rapport cela a-t-il? Aucun. À première vue, aucun. Et apparemment, M. Gregg n'a rien à voir dans cette affaire. Alors? Eh oui, seulement voilà, il a rencontré le seigneur Juarez. Il ne sait ni qui il est, ni ce qu'il fait. Mais alors, pourquoi continuer à l'interroger? Oh, parce qu'il se tracasse! Et qu'une seule chose le tracasse. La façon dont le seigneur Juarez est mort. Je veux savoir pourquoi! Donc, mon enquête doit commencer au moment où M. Gregg est entré ici. Il est en train de vous demander de lire le roman qu'il avait écrit. Ouais. Alors, quelle était l'histoire? Monsieur Bennett? Mais dites-le à l'inspecteur. C'était l'histoire d'un honorable citoyen en but à un chantage. Il convient avec l'homme qui est de chanter de... Monsieur Bennett? Mais continuez. Convient donc avec l'homme qui le fait chanter de le recevoir chez lui. Un peu avant son arrivée, il téléphone au docteur qui habite la maison d'à côté. Et en imitant la voix de l'homme en question, il prend rendez-vous avec le docteur. Quand cet homme arrive, il l'empoisonne, puis il téléphone à nouveau au docteur pour lui dire qu'un inconnu est mort chez lui. C'est original. Le seigneur Juarez est venu ici hier soir? Oui. Il avait rendez-vous avec vous? Ah oui. Dans quel but? Chantage. Vous avez téléphoné au docteur Locke à 8h moins le quart? Oui.
Pourquoi ? Je désire attester le plan imaginé par Monsieur Gregg dans son roman. Avec l'intention de tuer le seigneur Juarez ? Avec l'idée de le faire, oui, bien sûr. L'avez-vous fait ? Non. Merci. Vous ne serez pas surpris si je vous demande de m'accompagner au commissariat ? Non, bien sûr. Est-ce que je peux dire un mot à ma femme ? Ah, ben je vous en prie, vous ne voulez pas appeler Madame Bennett, si vous voulez, Monsieur Gregg ? Je peux me servir de téléphone ? Mais je vous en prie, inspecteur. Merci, Monsieur Bennett, merci. 2, 3, 4. Allô, c'est Malcolm. Malcolm, oui, je voudrais une voiture, c'est Monsieur Bennett. Lovat Road. Mais c'est tout droit ! Qu'est-ce que vous dites ? Ah bon, il a... Ah, je vois. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, tout va bien, hein. Oh, Madame Bennett, nous avons discuté avec votre mari au sujet de l'homme qui est mort ici la nuit dernière. Et pourquoi, inspecteur, y a-t-il du nouveau ? Du nouveau ? Ben, je pense bien, oui. Et du déterminant. J'ai appris à votre mari qu'après avoir reçu un message de la concierge de cet homme, la police s'était livrée à une petite enquête. D'abord, nous avons téléphoné en Amérique du Sud pour nous assurer de son identité. Ensuite, nous avons ordonné une autopsie. Ah, ben, je peux vous donner le résultat des enquêtes, inspecteur. Ah oui ? Oui, oui, cet homme était un officier supérieur, chef de la police à Guadalcanal, en visite officielle à Londres. Mais sa mort est due à une cause naturelle. Hein. C'est exactement le contraire. Comment ? La police de Guadalcanal le recherche pour le vol de rapports criminels. Il est venu en Angleterre pour faire chanter deux personnes, en se présentant comme chef de la police, pour impressionner ses victimes et garantir ainsi la valeur des documents qu'il possédait. Et l'autopsie ? Ah ben, il est mort empoisonné. Oui. J'ai dû sauter un épisode, là, parce que cet homme est mort d'une crise cardiaque, hein. Écoutez, j'étais là, moi, debout, exactement à l'endroit où je suis actuellement. Je le regardais quand c'est arrivé. Croyez pas qu'on ferait mieux de parler de ça au commissariat, non ? Andrew, je comprends pas. Mais il va pourtant falloir essayer, ma chérie. Alors voilà, j'ai des ennuis. Et les plus graves qu'un homme puisse avoir. Là, je vois pas très bien comment je pourrais m'en tirer. Mais je suis innocent. C'était le laboratoire de la police. Le poison employé a été analysé. C'était de l'iguala. Un extrait de plante de l'Amérique du Sud qui possède une propriété très, très spéciale. Il a été découvert sur l'Amazon en 1947 par le docteur Marcus Wright. Et la police vient d'en découvrir ce soir dans son appartement. Oh, pardon. Oui, c'est vrai, le docteur Marcus Wright. C'est l'autre homme dont le rapport criminel a été volé par le seigneur Juarez, lequel seigneur Juarez est allé le voir hier soir chez lui à 4h, et à 8h10, il mourait ici d'une crise cardiaque. Vous voulez dire que c'est le docteur Marcus Wright qui a empoisonné le seigneur Juarez ? Je veux dire que la propriété particulière de l'iguala, c'est de faire son effet 4 heures plus tard. Et je pense que le docteur Marcus Wright va pouvoir aider la police dans son enquête. Ben voilà, Andrew, ça t'apprendra à laisser traîner de la mort aux herbes dans la maison et à faire perdre son temps à l'inspecteur Malcolm, alors qu'il va s'occuper du bal de la police. Bonsoir, monsieur Bennett. Bonsoir, inspecteur. Je vous raccompagne, inspecteur. Oh, au fait, monsieur Gregg, mon mari a lu votre livre. Je ne sais plus très bien ce que je dois dire, monsieur Bennett. Sur ce point, je vais être précis, monsieur Gregg, plus rien, hein ? Bien, j'espère que vous allez pouvoir vous envoler tranquillement pour l'Afrique et que votre séjour là-bas sera satisfaisant. Je vous rends le manuscrit, vous avez eu la bonté de me confier. Je vous conseille de l'emporter avec vous. Pourquoi ? Parce que l'idée est bonne, mais elle demande à être un peu approfondie. Voilà, je vous souhaite bon voyage, monsieur Gregg. Ben finalement, monsieur Bennett, je fais un bon week-end.